bonsoir à tous, c'était Camon, on se retrouve en live, et oui, sur Twitch, et pour toi, YouTube, on se retrouve sur Valheim. Pour ceux qui ont suivi, Papa le Bâtard a réouvert deux serveurs, un principal et un serveur de farm du lundi, qui reset tous les lundis, voilà. Je suis en compagnie actuellement, et ils le veulent bien, je les remercie d'avance. Axel, bonsoir à toi. Salut. Et Capilus, on ne le présente plus. Ah bon ? Bah ouais, salut. Bah ouais. Ok, super. Et moi je suis, alors attends, moi c'est Tech au poil, toi c'est Capilout, et Axel c'est Axel dans le jeu aussi je crois. Alex. Alex, ah t'as inversé. Oui. Et en plus, moi je vais aller dans la partie farm, puisque je veux voir si je trouve pas un autre donjon KO vite fait, pour ramener des cœurs sur Kling, voilà. Puis on va commencer, je charge et du coup je vous balance l'intro. A tout de suite. Voilà. C'est bon, si on mettait l'image, ce serait top. Et donc, je disais à Capilus, mon petit Capi, ça va être lourd de retour faire les boss. Il me dit que non, pourquoi ? Bah, le serveur est en facile, tout bêtement. Attends, ouais, déjà, j'ai mis du temps à tuer la bibiche, le premier boss, quoi. Ouais, mais bon, voilà, quoi. Allô ? Oui ! Allez, on va changer justement de la viande de cerf cuite, douce dendue. Oh, mais c'est qu'il y a du monde, là, je suis au bord de la forêt noire. Oh, tout de suite, un niveau 2 étoiles, allez. Bon, allez, on y va à fond. Donc, soirée chill, c'est très bien les jours fériés pour s'amuser. Hein. Oh oui, je vois. Et apparemment, il y aura beaucoup de copains donc qui vont aller sur Fortnite. Donc, je suis sans scrupule là-dessus ce soir. Mais c'est qui m'a des patates ? On va peut-être croiser du troll. Alors Axel, toi t'es dans les Mistlands, tu me disais juste avant. Oui, exact. Donc si je te parle, tu vas mourir. On est ok. Exact. Heureux. Et re, bienvenue dans le live. Non, j'ai mis le statut. Hein. Oui, j'ai vu. Merci. C'est Kalik, hein. Ouais. Oui, c'est Kalik. Eh oui, ça y est, je reconnais bien les voix maintenant. Allez, promenons-nous dans la forêt. J'ai un petit retour, j'ai l'impression. Non, ouais, ça va. C'est Alex. Ah merde. Le son est un peu. Ah merde. Trop fort. Je casse un peu. Non, mais c'est moi qu'il faut qu'il parle doucement alors. Non, je vais un peu. Tu vois, je suis relou hein, à faire des lives avec vous. Non, mais c'est moi, j'ai pas de casque, je suis sur les enceintes. Ah, t'as bien raison. T'as de la chance, moi je peux pas. Ah ouais. Bon, là, c'est mieux en casque pour votre confort audio quand je fais une vidéo, j'ai remarqué. Imagine sinon mon Nelson, tu l'entendrais hurler. Oh purée, le gros miaou de désespoir. Je pensais dans une forêt, mais non. Donc là on est dans le monde farm, on y va cool. Et toi Capi, tu construis encore? Le spawn est magnifique, hein, maintenant qu'il est refait là. Merci. Oh, il y a des ouais, brutes. Quand tu peux te concentrer sur la construction et pas sur le farm, machin bidule. Ah, ça aide. C'est beaucoup plus facile, ouais. Ah, oui, mais carrément, quoi. C'est quoi tous ces gens-là? De quoi? On m'embête. Ah, bah, ça. Bienvenue dans Valheim, hein, j'ai envie de te dire. Ah, oui, j'avais oublié qu'ils étaient aussi relous. Allez, petit! Ces
C'est Papy Chaman. Voilà. Bon, entre temps en off, j'ai amélioré mon stuff niveau 3. Ah. Voilà. Oui, il faut des chaos circling, il faut faire plein de fonderies. Je voudrais aussi. C'est comment c'est le Skarl, le premier bateau, hein, si je me souviens. Ouais. Je serais content si je l'ai soigné. Ah oui, c'est ça que je voulais faire. Un bateau? Non, non, du tout. Oh, le bateau, ça va, je crois que je suis bien. Non, faut que je farme les lapins. Ah oui. Ça y est, je suis vraiment dans la belle forêt noire. Ah, ça pioche dur, Axel. Oui. On entend ça, c'est cool. Ah mince. Et merde. Ah merde, il est temps de voir si je sais ou pas parer. Ah, oh là, ouais. Est-ce qu'il a un tronc d'arbre? Non. Et je suis mort. One shot? One shot? Je l'ai vu charger son attaque, j'étais non, là. Non, mais non! Si. Il faut toujours éviter. Ouais, celle-là, ouais, quand même. Oh. En fait, plus l'animation est longue, plus ça tape fort. Et ce genre d'attaque, bon, voilà quoi, tu la vois venir, t'as 2 secondes pour l'esquiver, ça pardonne pas. Quoi. Ah ouais, mais non, là c'est tellement loin au nord avec tout mon stuff, j'ai perdu quoi, mon arc. En fait, tu perds tout ce que tu n'as pas, tu perds pas ton armure et les armes que t'as sur toi, enfin que tu utilises au moment, à l'instant T. Ouais. Bah, c'est un live comme on aime, voilà Valheim, c'est ça. Il n'y a plus de bois. Ah, la claque, tiens. Ah oui, bah là, ouais, ça pardonne pas, ouais. Ah oui, donc, ma bouffe, tout, vraiment tout, quoi. Ouais, ouais, ouais. C'est chier. Mais ça te là, en fait, t'as un buff qui te permet de courir pendant des heures. Donc, si t'es pas trop loin et que t'as pas besoin du bateau, tu peux récupérer ton stuff très facilement. Eh ben, on y va. Réfléchis là, en plus t'as ton armure, t'as quand même ton arme, donc tu peux y aller en courant comme un dératé quoi. Bon après là t'es humide du coup ça aide pas, mais humide avec plein de nains, c'est la nuit. Ah oui c'est la nuit. Ouais. C'est un peu plus complexe. Je suis pas sûr que ce soit la nuit, je m'en fous. On y va. 25 points de vie. Bonsoir Starhawk. Ouais, c'est pour ça que je dis oui, ça va, on gère, on n'a pas perdu, tu parles. Première rencontre d'un troll et paf. Si j'avais accès à saut de borne là. Au secours. Voilà. Vu que je tousse en ce moment. Ah, si je pouvais rencontrer des petites framboises, tiens, ça serait top. Bon, ce troll, quand même, pas top. On va le faire à l'arc et on va essayer de faire ça proprement. Tout ça pour quoi, 5 coeurs de circling en plus, 5 à 10 coeurs, c'est tout. Moi, ouais. Je partais farmer gentiment. Rendez compte que dans mon giga château, j'ai pas la place. Ça me trigger. Oh là là. C'est pas intelligent ce que je fais, si vraiment ça va être la nuit. Oh, tu cours. Oui. Mais j'ai pas de Sam. Si je voyais un framboisier quelque part. J'ai pas de torche, j'ai rien. Je suis seul dans la nuit. Je prends le temps de ramasser des cochons quand même, hein, je te raconte pas. Ouais. On dirait l'autre, y'a pas de petites économies, hein. Non. Et toi, Kelly, alors qu'est-ce que tu fais de beau ce soir au programme? Ah bah, je vais essayer de finir ma construction, là. Ah oui. Pleine. Ta vraie base. Essayer, hein. C'est ça. Oh, un truc qui est plus à une base. Y'a une ruche. Je suis pas trop mécontent. Fissué. Non, 25 ça va être short, c'est vraiment j'ai pas un truc à manger. Ah
À la outil, c'est pas là que tu trouveras des baies ou des trucs, hein, ça c'est sûr. Il fait night, quoi. Ah. Et voilà. Ça recommence à être un peu mieux. Une framboise. Y'aurait pas un champ pipi? On va regarder un petit peu. Le bœuf dure combien de temps? 10 minutes, un quart d'heure quand on est mort? J'en sais fichtrement rien. Ah, je ne sais pas non plus. Ça va être hardcore, hein. Un petit clair de lune. Ouais. T'es pas si loin que ça en vrai. Non, vraiment. Je regarde si j'ai des petits chapeaux rouges. Suis la lumière dans la nuit si tu parles. Tu as l'air un spawner. Alors, ici on a quoi? Prairie. En plus, on a abandonné une ruche, hein, ça me dégoûte là. Oh, il faut des chaînes pour faire les loupiottes, j'avais zappé ça. Non, il faut farmer au marais, t'as raison, tiens. Ouais, bonne idée. Ouais. On va faire ça, hein. Ouais. Mais il a jamais la grosse machin là. C'est quoi, putain? Attends, j'ai pas été voir sur le stream. Bon. Ok, on a fait tout ça. On sait qu'il fait nuit, que c'est pas le moment idéal. Si je peux me faire une cahute, mais tu parles, j'ai quoi, 24 machin? On va se faire passer la nuit. On va se faire un abri. T'es sur quoi? T'es sur le. Monde farm. Monde de farm là? Ouais. T'as besoin d'un coup de main ou... Non, mais on va éviter de nous noyer, non? J'ai bien aimé le. Ouais, mais j'ai pas envie d'accepter. Non, je suis en train de me noyer surtout. Oh! Voilà, attends. Clair de lune. Voilà. Non, il faut que je souffre pour apprécier le jeu. De toute façon. Oui, on peut voir ça comme ça. Mais... Faut pas être mazo non plus, hein. Non. Il me faut un fantôme. Pareil, je vais pas en trouver maintenant que j'essaie d'en chercher. Alors, on va s'installer et je vais me faire une tenue troll ce soir. Oh, c'est pas vrai. Le chaman. C'est la nuit. J'ai vu ce soir un chaman. T'es tout seul? Ah, t'es tout seul. C'est pas MNIDRK. Oh là. Alors, on va se mettre ici, je pense. Je ne sais pas non plus. Mais c'est pas la première fois que je le vois. Ah oui, c'est pas la première fois qu'il se connectait. Ouais, il est pas loin du hub, du coup. Un ami nouveau du bien dans le hub. Ok. Ah non, il est pas. Justement, il est pas au hub. Ah, faut pas qu'il aille trop loin alors. Il est pas très loin du hub, il s'est installé. On va se faire un marteau. Ah oui, mais il a amené tous ses amis. Voilà. Il faut pas fâcher le tech. Alors. Avec une hache, ouais, les dingueries, ça va. Ouais, on dépiote. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de cette cabane? Qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire? Actuellement observé par Odin. C'est vrai? Oui. C'est cool.
La deuxième fois que je le croise. Alors, on va essayer de faire. Cette épée est complètement débile. Laquelle ? La chrome. Oui, alors tu la gères bien parce que la stamina. Ça va. Oh ouais. Oh, il y a une abomination ici. Oh, je vais lui piquer le cul, ça va être incroyable. Viens ici. Je garde pas un très très bon souvenir de Mistland, hein, perso. Alors, viens dire pourquoi je prends autant de temps en monde de farm. Parce que. Ça va être chiant sinon. Mais faut pas que le copain le troll se pointe, hein. Ouais. Surtout qu'elle est tellement lourde que tu stun les tout petits mobs si tu les one-shot pas. Du coup, c'est assez facile. Ah, ouais, c'est trop bien. On va faire un abri. Donc j'ai littéralement trishot l'abomination dans les marais avec. C'est débile. Monsieur est confort. Ouais, mais cette épée, elle est complètement pétée. Et moi, c'est plutôt en armure que j'aurais bien monté, parce que là... De quoi ? Celle du loup, mais... Ah ouais ? Je la trouve un peu... Enfin, pas en rapport avec la puissance d'attaque, quoi. La ouais, tenue en argent, tu veux dire ? Ouais, du coup, c'est en argent. Ouais. L'épée d'argent est quand même... Je la trouve supérieure à celle de son brassier. Parce qu'avec son buff là de cramer les mobs, c'est plutôt pas mal. On va essayer de se prendre un peu de bois sans se faire tuer. Et bien TV, salut. Ah, le subprime, je ne sais pas où c'est, mon cher, c'est gentil d'y penser. Ça, j'ai jamais géré ça. Je sais que Twitch cache ça. Peut-être en cliquant sur ton portrait, tu auras l'option. Tout ça pour regarder un pauvre Pékin qui s'est fait claquer en 2 secondes par un troll. Ah non mais... Putain. Et j'ai commencé ce matin. Attends, je suis à l'âge du cuivre quand même. C'est ça ouais. Que c'est rigolo. Oh mince, encore un chaman. Encore des potes. J'aurai le temps de faire la nuit entière avant de poser mon lit, moi. Ah, moi j'ai un trophée de spectre et ça, c'est trop bien. Oup, 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 oup. Bon, on va rentrer. Reprends de la stam, t'en voudras. C'est vrai que maintenant les gobelins ils se battent partout en fait. Ouais. Sauf chez moi. Je sais pas s'ils prennent du dégât. Bah, parce que je suis au sommet de la plus haute montagne de mon continent. J'ai pour l'instant jamais été emmerdé. Non, ça va être le jour qui se lève. Je suis sûr. Attends, j'en ai encore un petit là. Et je n'ai plus le buff de la mort qui pue. Alors. Oui, après tout, c'est pas bête. On va se poser là parce que je suis vraiment parti au nord. On va explorer toute la forêt nord. Par là, en farm, tranquille. Et puis ce soir, à moins que quelqu'un ait un petit scale pour m'emmener à l'aîné sur la map principale, on verra tout à l'heure ce que je fais. Il est au hub. Ouais, il est au hub. Ah, on a un portail. Oh, c'est super. Et si t'as besoin d'un coup de main, tu dis, on arrive. Hein. Ouais, après le premier essai, comme d'hab, par fierté, mal placé. Oui, mais... Et oui. Quoi, tu t'amuses à un moment plutôt qu'on te fasse le truc, quoi. Eh bah écoute, Beyond TV, merci à toi, cher Viking, pour ton 13e mois de supportage. Oh, quand je pense qu'on est plus sur Star Valor, mon pauvre. Alors, là, on va faire un petit toit penché. Je sais pas si tu joues à Valheim, Bjorn. En tout cas, les copains m'ont motivé, et le serveur en mode facile farm, c'est surtout ça, quoi. Il n'y aurait pas eu cet effort-là.
un agri élite. Viens par là. Ah ouais. Non mais sérieusement. Enlève ta torche. Parce que là en fait il te fuit à cause du feu. J'oubliais ce détail. 22 en compétences d'arche. Pendant ce temps-là, ça monte bien, c'est bien. Alors, il nous faut un toit pour mettre le lit pour dormir. On va le mettre là. On espère avoir assez. On va consolider un petit peu. Voilà, on a un feu, on est bien. On va juste fermer en bas, je pense que ça suffira. J'ai encore un peu de bois. Là, c'est marqué abri, donc là, ça marche. L'établi requiert un toit. Je sais, je sais, je sais. Ouais, la question, c'est est-ce que tu peux poser un lit direct à l'entrée comme ça? C'est pas top, c'est pas top. Ça bien. On va consolider un petit peu. Là, c'est bon. Verrer la cloison, l'atelier, voilà, allez. Avec ça, si j'y arrive pas, écoute, crotte. Et on peut réparer. Ah oui, bah le taf, mon cher Bjorn, ouais. Ça, c'est le fléau des gamers. Si on n'était pas obligé de travailler. Apparemment, ça suffit. On va juste peaufiner la cheminée. Est-ce qu'on peut faire quelque chose comme ça? Je pense qu'on a une maison à peu près valable. Et oh, et puis je prends feu. Alors attends. Mur. Là c'est ok. Et on va même faire des grillades. Et ça c'est topissime. Allez. Les lanternes de mer, elles éclairent beaucoup plus. Ou alors lanternes de quoi? Les lanternes de mer là, les trucs de lumière infinie. J'ai l'impression qu'elles éclairent plus qu'à l'époque. Mais après c'est peut-être une impression. Bon. Faut juste que je finisse le toit en haut pour la prochaine tempête quand même. Par exemple là, il n'y a plus pourquoi. Pourquoi il n'y a plus de vent? Il n'y a pas de raison. On va surveiller le cuisseau. Ouais, 4 c'est bien déjà. On va laisser du bazar ici.
paf, paf. Par contre, c'est impressionnant tout ce qu'on ramène. Merde. Alors, c'est bon. Oula, t'étouffes pas, hein. Non, non, mais c'est la fin. Ah. Ah, parce que j'ai pas assez d'ouverture, là. Allez, il faut faire un toit beaucoup plus haut. Alors c'est A pour snap. Pour changer A et E, ouais. J'arrive pas à mettre au milieu comme je veux. Oh, c'est pas mal. Ça y est. J'ai réussi. Mon avis, c'est des petits toits en choum. Oh là là. On a une caillou de dépannage. Ça y est, c'est bon. Ça a l'air correct. On se reprend une framboise, un steak. Et puis on y va. On est mort par là. Ouais, j'ai vraiment juste à côté, quoi. On va se mettre la maison ici. Et c'est reparti. On a 80 de stam, c'est pas mal. Alors moi, vous me connaissez, je suis plutôt peureux. Hein. Faire un jeu comme ça tout seul, c'est pas mal aussi pour moi. Ah bah le v'là. Oup, 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 oup. Rien, il me jette des trucs. Ah oui. Oh, ils sont gentils, ils t'aident à farmer la forêt. Ouais, 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 ouais. C'est vrai, hein. On n'a jamais douté de leur gentillesse. En même temps, tu viens chez eux, tu casses tout. Tu serais dans quel état, toi? Attends, je fais quasiment pas de dégâts. C'est normal. T'as vu l'engin? T'as les armes du tout début du jeu. T'es pas censé l'auto-attaque avec ça. Ah, si. Ah, oh, il va se prendre un coup. Ah ouais. Non, j'ai une solution. Ah. Hop, 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 hop. Bonjour! Au revoir! On monte! Le Tawa! C'est clair! Oh putain! Tu sais qu'il peut casser les murs, hein! Oui, mais est-ce qu'il va tuer les petits copains autour? Oui, non! Si! Non, non, non! Mais si, ils prennent des dégâts quand même! Non! Faut que tu trouves. Ils ont pas de. Ils s'attaquent pas entre eux! Ah non! Il faut que tu trouves des squelettes en fait si tu veux avoir des alliés contre lui. Alors attends, quand j'ai cliqué sur mon cadavre, j'ai pas pu le ramasser. Il y avait un bouton peut-être pour tout ramasser. Oui, non, c'est parce que t'étais plein en fait. Il n'y avait pas la place pour tout. Ça veut dire qu'il faut que j'y aille, quoi. Ah ben. Il est parti le troll. Il fait la gueule. Attends, je me mets en furtif. C'est pas facile tous les jours, hein. Là, surtout pas. Poup, 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 poup. Salut. Allez, on va essayer de faire un grand contour. On l'a promené un peu. Je veux récupérer mon corps. Ah. Après, ça va, il n'y a que... On va
se laisser enquiquiner. On va acheter la merdasse. Je peux peut-être approcher en furtif. Oui. Bon, parce qu'une fois que j'ai l'arc bien caché, le troll, j'aurai la peau de ses fesses. Avec un bon arc, oui, tu peux lui mettre un petit quart de vie en moins en une flèche. Mais après, quand il t'a capté... Ouais. Ah ben, il me calcule, hein. Il m'attend de l'autre côté. Rebonsoir. Et bienvenue en live. Le live de la mort. Ah ouais, toujours. Toujours en détente. Journée de chill. Ah ouais, il est vraiment là. Ah, il est vraiment là. Ah bah oui. Il me sent. Eh oh. Putain. La bête. À quelle bête devant toi? Non mais il me calcule vraiment lui ou quoi? Tout ça pour un arc niveau 3, hein. Pourquoi je ramasse ça? On recommence, on s'approche. En plus, il y a du cuivre, il y a tout. Ah, il est juste là. Si je mange... Non, je peux pas manger. Oh la vache, il campe vraiment mon corps, ce saligo. Le jeu est bien fait, hein. Il te pourrit la vie. Ah bah, t'es là pour ôter du sang, hein. Il peut me capter accroupi derrière un tronc? Non. Si, là, il arrive. Il me capte pas. Ah ouais, il t'a pas capté. What the fuck? Ah, il faut le couteau, quoi, pour ce genre de situation. Le couteau en cuivre, oui. T'as raison. Marche bien. Hey, salut. Ok. Moi, je saurais que c'est possible de faire ça. Ouais, ouais. Un petit sneak entre amis. Alors, on va se remettre un arc là. Voilà. Voilà, on va jeter des globibets parce qu'elles ne servent à rien. Ah ouais. Oh, punaise, c'est bon, c'est bon. Passine le tech. Qu'est-ce que t'as fait? Oh, j'ai évité la mort une deuxième fois. Non mais les Mistlands, je me souviens, c'est un enfer, hein. Je suis pas chaud encore. Là j'irai pas tout seul là-bas. Ah ben, là j'y suis dedans, ben, je vais te dire, dans un donjon. Waouh, waouh, waouh. Ah les donjons Mistlands, ouais, ils sont coriaces. Et nous on cherche un petit donjon Cœur Sortling, c'est tout ce qu'on veut, comme ce matin. Ah par contre le bonus. Oui donc couteau, tu dis un petit couteau en cul, je pourrais le tuer. Alors tu lui fais très très mal. Mais tu ne le tues pas en un coup, faut pas déconner non plus. Non mais en évitant ses baffes quoi, comme j'ai fait bêtement tout à l'heure. Bonsoir à toi Starhawk, bienvenue dans le live de la souffrance. Je ne creuse pas de cuivre hein, ce soir, t'inquiète, hein, j'ai pris ce qu'il fallait un petit peu. On cherche juste l'entrée d'un donjax. Alors, on a évité le troll. Tac, je suis mort là. J'ai mon spot qui est là, ouais c'est bien. Oh, j'ai déjà fini ce niveau. Ah, il y a encore des pièces. Allez. Et un grand merci chaleureux à tous ceux qui me supportent en live dans le Discord. On sait jamais, hein, ça fait des copains comme ça. Ah bon? Ouais. Les chambres funéraires, c'est dans le sol, bêtement un trou, quoi. On voit rien de plus. Et ça dépend, t'as plusieurs entrées. Tu as plusieurs types d'entrées. Alors.
ça fait chier. Je sais pas où mettre ce truc là. Je me suis mal débrouillé pour ma forge. On va garder ça. J'avoue que j'ai peut-être trop de torches. Un premier. Une première mort. Il y a de la caillasse, mais c'est pas une chambre. Oh, des myrtilles. Puis il va bientôt faire nuit, bien sûr. Ah bah ça. Allez, viens. Bougre de nain. Alors, j'ai tort de les oublier parce que je crois que c'est une recette de cuisine avec les yeux de nain. Il en faut, non? Oui, enfin, t'as le temps de voir venir. Il y a des portails. Comment ça? Ah oui. Je crois que je vois. C'est un spawner. Mauvaise idée. Je suis trop jeune pour y aller. Ah, par contre là c'est la bonne nouvelle. On a un squelette. Ah oui, ah, c'est que t'as probablement un donjon pas très loin. Genre ouais. Voilà, j'y suis, oui. Allez. On se met comme ça, on rentre pas dedans, on va le marquer. Pouf. Alors, technique du double kill, ça marche. On va se faire la technique de j'aime le feu. J'ai tellement de cochonneries sur moi. Est-ce qu'on peut craft un coffre ici, une table? Non, hein. Non. Tu peux le craft juste à l'extérieur, avant d'entrer dedans. Ouais, à la limite, ouais. Et tu es abrité, donc tu peux prendre aussi... Ah, mais je crois qu'il est... Il a été visité. J'aurais pas le souci. Il a été fouillax. Dommage. Des fouillax. Ah, t'es sur le site de farm ou t'es... Oui. Et c'est fouillé dans le site de farm. Eh ben, je suis parti au nord. Ce matin, j'ai fait le sud un petit peu et là, j'ai voulu monter plein nord. Il faut que j'aille plus loin. Voilà, histoire d'avoir au moins deux spots de quoi fondre du charbon, enfin de fondre, craft du charbon. Ouais. Cramer du bois dans la joie. Avec un peu de chance, si c'est pas Bernard, il va peut-être rester un coffre, hein. Si tu liches pas tout. De quoi? Si t'as pas fait le donjon, je t'ai retrouvé des miettes, hein. Si tu veux, je viens te filer un coup de main. Oh, je me promène, je suis en détente, du moment que je papote avec vous, je suis bien. Je pense que peut-être dans la montagne, j'appellerai de l'aide, peut-être. Mais c'est bête, si vous êtes déjà tous... Alors, en une semaine, vous êtes déjà au niveau max, quoi. Ouais. Oh non. Oh, un max. Pas non, parce qu'on a, on commence à peine une Islande. Il y en a un, il a laissé une tête de cochon dans un coffre, c'est pas sympa. Ouais. Si t'as quelques têtes de cerf, fais-toi la brise de cerf. Hein, pour les donjons, là, pour les squelettes, c'est super. Je collectionne. Faudrait vraiment, c'est de quoi faire passer la nuit. Ça, j'ai pas réfléchi. C'est ça le seul serveur que tu touches. Bon, c'était un petit donjon. Peut-être là, à l'entrée de. Donc, lui a été fait. Hop, petite croix. Alex, elle a fait un donjon, elle a eu plus de 30 circlings. T'es une chanceuse. Moi, arrêtez de dégoûter. Hein?
Enfin, on en a quand même fait 3 avant où il n'y avait rien. Ouais. On n'avait pas fait grand-chose. Ouais, personne n'avait visité, mais il n'y avait aucun surprise. Ah ouais, ouais, c'est vraiment le pas de bol, quoi. Ouais. Alors attends, il me faut des pierres, c'est pas possible, j'ai tout laissé dans un coffre. Et bonsoir à toi, Canton 51. Oh, ça fait longtemps. C'est un restart, mon cher Canton, un restart. Papa l'a fait un serveur tout neuf, il y a quelques jours, avec x2 dans le monde principal, x3 en ressources dans le monde de farm. Donc les copains montent, tout le monde monte pour aller dans les Ashlands, on se prépare. Et moi je démarre en retard parce que j'étais parti sur Manorlord, sur d'autres choses. Ah mais quel accueil de merde! On va faire passer la nuit, mais il faudrait tuer 2-3 rigolos. Mets-toi accroupi à côté de ton lit. En fait, si t'es accroupi, au bout d'un moment, tu vas devenir... Invisible. Ouais, invisible, on va dire ça comme, comme ça. Comme pour le troll, ça a marché. Hein. Ouais. Allez. Du coup, mon point d'apparition change, crotte. Oh, en même temps. Merde. Sur un bateau taillé dans un boisson. Si je casse mon château, on va pas s'en sortir. Je suis de plus en plus encombré, tout va bien. Bon, s'il y a un donjon là, il va y avoir un ailleurs. Spawner, non. De myrtille et de chardon. Oui. Je me vois déjà faire des hydromels, dis donc. Ah, un peu de compagnie. Au pire, j'ai mis des abeilles dans le coffre gratuit. Ah, j'en ai trouvé, hein. Je suis déjà bien là. Si tu veux faire de l'hydromel. C'est vrai que c'est pas bête. Ouais. Il y a 6 abeilles, là, tu peux les prendre. Ouais, si on a encore 2 semaines à attendre pour les Ashlands, j'ai peut-être le temps de me faire une petite base ailleurs pour déménager proprement d'espace. Encore un spawner, mais... Punaise, une usine à farm, tiens, vous allez en faire une avec Papal ou pas? De quoi les spawners? Les spawners enfermés pour que ça crame les nains. Je sais que papa les gars faisait ça. Non, 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 on a fait des spawners à Surkling. Il me semble qu'il est en train d'en faire un. Ah. Oh là là, c'est la compagnie de la joie là. Bon, on va essayer de s'expliquer 2 secondes. Des piastres, oui. On va laisser ça, on va laisser ça. On va laisser une torche. Par contre, le charbon, je l'abandonne pas. On doit avoir facilement. Allez, salut. Cours. Un donjon. Oh la vache, il lâche pas la grappe. Pendant ça, là, on se gaffe de chardon, ça c'est cool. Oh, des myrtilles. Alors imaginez, il faut que je gère la nage, la poursuite. J'ai mon écran de chat qui s'éteint, je le rallume. Ça c'est beau. Ah, le dur métier d'un streamer quoi. Dans la... Oui mais bon faut bien que j'en fasse un. Allô? Petit peu. Ça y est, j'ai trouvé une autre donjax. Je plaisante. Mais si. Il faut taquiner. Bon, nouvelle chance. Oh, j'entends souffler quelque chose de rauque et de monstrueux. Alors, on a 3 portes fermées. Ah, c'est bien.
Ça y est, on va se régaler un peu. On est full cochonnerie. Allez, hop. On va se manger un petit steak. À la limite, ça, le cochon grillé. Au revoir. Alors, on a trois portes. Ben, on va aller par là. Bonjour. Allez, Vartek. Oh bah disons, c'est petit, hein. Il me faut minimum 5 heures de circling. Je suis pas très gourmand. Ouais, je te les mets dans le coffre. Ah, déjà avec un, tu t'en auras 3, hein. Oui, avec c'est vrai. De toute façon, c'est un entraînement, Bernard, t'inquiète pas, mais si je veux survivre dans le jeu, il faut que je me batte un peu. Ah bah en voilà. Faut pas s'inquiéter pour moi. J'en ai trouvé 3, plus que 2. Les racines. Oh. Alors attends, on va mollo. Il y a un coffre, il y a une porte à droite, il y a une porte là, seule. Non, il n'y a rien. Voilà, il y en a une quinzaine dans le coffre. Des flèches, tiens, c'est vrai que c'est pas idiot. Quelques plumes. Bah alors, pépère. On va manger quoi? Du miel. Voilà. Voilà, un bon gourdin niveau 3, un élite. Pchit. Ce qu'il y a de marrant, c'est qu'il se rend pas compte qu'à chaque fois je fais des titres. Bref. Oui. C'est pas faux. Moi j'aime bien, hein, après. Ah oui, non, mais on va faire tout le donjon, la mission est remplie pour les Startlings ce soir. Quoi que pour les portails, il en faut, c'est ça? Les cœurs? Oui. Il en faut 2. Ah punaise. Il me manque du noyau noir. Un noyau noir. Merde. Ah punaise. Ça oblige à farmer le jeu, ça. Un peu. Ah, c'est un peu. Un petit peu le but du jeu, on va pas se mentir. Alors, on a fait combien de portes? On a fait que une, c'est cool. Non, on en a fait 2. Ah bah écoute. Hein. Bouffe, bouffe. Y'a rien. Va continuer, c'est pas vrai. J'aurais bien voulu voir tout de suite ce qu'il fallait. Y'a bien une belle salle au trésor quand même. Le rugby, yes. Ah, le jeu est radin. Allez, c'est les fraises. Il y a du monde, c'est la compagnie là aussi. Allez, avancez. Il n'y a pas de fantôme. On est bien, on a encaissé. Sur les toits maintenant, les gars. Après tout ce qu'on vient de tuer, non! Bon, bah, on va faire la technique du survivant. On va. Hop. On va ramener tout ça sur le serveur officiel et puis recontinuer la chasse. Non, je comprends pas. Tout à l'heure, j'avais pratiquement 300 marbres, j'en ai plus. Je sais pas où ils sont passés. Inventaire plein. Plus tard, je sais pas où ils sont.
Et Tenshura, bonsoir à toi. Et Crimson, bon, j'ai fait une séance farm, j'ai eu quelques cœurs. Après tout, on peut aller maintenant taper un peu le deuxième boss. Je vais le tenter. Ça va nous changer les idées. Et t'as un stuff en cuivre ou pas du tout? Alors, la blague, c'est que j'ai pu fabriquer la forge et je n'ai pas de stuff en cuivre. Je peux faire que le couteau pour l'instant. Donc, je suis obligé de tuer l'aîné avant. Ah. Ah ouais, je regardais le progrès, j'avais oublié. À moins que tu veuilles venir, Capi, tu me dis, mais t'es occupé, t'as une life. Hein. Bah, je peux venir, mais... Il faudrait quand même un peu de stuff, non? Moi, je suis en cuir. Va dans le coffre, il y a du troll. Ah bah attends, je range mes petites fournitures. Voilà, on s'est bien mis. Est-ce qu'on a du bois à ranger? Voilà, on remarque que j'ai fait un tout petit peu de rangement. Un petit peu. 529 piastres, le marchand, faudra que j'aille le voir aussi. Commence à être bien. Pas de quoi d'acheter le casque l'an prochain. Ouais. 650. On va mettre les 950 la ceinture. Ah ouais, oui. J'attendrai la ceinture. Ouais, mais j'ai plein d'ambre, tu vois, j'ai de la valeur là quand même. Ouais. Des champignons, je les mets où? C'est pas là. Oh là là, le coffre plante. C'est plein. J'ai 3 abeilles de réserve. On a nos flèches de feu. Et j'avais pas le coffre à champi jaune. De la viande. Alors là, ah si, voilà. On va se faire des flèches de feu, il n'y a que ça à faire pour le boss, hein, de toute façon. C'est pas faux. Ouais, je sais. Ah voilà, donc oui, une fois que tu tues... Enfin, que tu ramènes tes premiers cœurs de sorting, après avoir tué le premier boss, on peut faire fondre le métal, donc cuivre et étain. Une fois que j'ai de l'étain, j'ai débloqué la fameuse forge. Et ah, si, il y a des choses qui sont là, nouveau. Couteau de boucher, couteau en cuivre. Et du bronze. Ah, peut-être que j'ai de quoi faire. Écoute, on va voir ça. Je suis pas trop chargé. Voilà, on met en route. On va recharger du bois. Par contre, c'est vrai que faire du charbon, c'est relou au début. Hein. Ouais. Pardon. Avec l'âge que tu as, et âge de base au départ, pas l'idéal. On va ranger les pots ici. Je suis trop riche, hein. J'ai plus de place. Le truc, c'est que je veux pas faire de salle au trésor ici pour l'instant. Moi je fais des saucisses. Alors il y a des abeilles. Oui. Alors 3 ruches ça suffit largement en fait pour le miel. Oh le con que je suis. Oh putain. Oui, surtout c'était en x3. Ouais, c'est bien ça. Oh, j'ai mis à cuire les tourtes de l'Ox et je les ai laissées brûler au four. J'ai du charbon. Ah ouais, c'est moche ça. Ah bah, c'est déjà ça. C'est du charbon. Rien ne se perd, tu vois. On va voir si on va débloquer alors des recettes. Alors, on avait dit que c'était un étain et deux de cuivre à chaque fois. Ouais. Voilà. Donc là on va en prendre 20.
Ah ouais, quand même, ouais, ok. Attends, on va laisser ça. Ah, ça encombre grave, hein. Oui. Ah oui, oui, les métaux, c'est ultra lourd. J'avais oublié, dis donc. C'est parti. Allez, voilà, on débloque tout. On fait du bronze. En plus, dans le jeu, maintenant, avant, tu sais, quand tu cramais ton aliment, bah, il était noir dans le four. Maintenant, il y a de la fumée noire qui sort du four. Pour bien te mettre au jeu. Ah ouais. C'est pas juste ce que t'as fait. Tu passes à côté. Hop. Chaudron magnifique, d'ailleurs, les premières recettes. La viande séchée de sanglier, pas dégueu, hein, 23 d'endu quand même. La confiture de la reine, 40 en endu. Ça serait pas mal ça aussi, faire un peu de confiote. x4 ? Et on est en x2 sur le serveur, framboise. Ça vaudrait presque le coup de faire de la cuisine en monde de farm. Hein. Carrément, ouais. Je suis en train de me dire ça. On va voir combien ça en fait là. Je vais en avoir 8. Ah non, 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 ça marche pas. Ça en fait que 4. Ah, tu veux dire le faire la cuisine? Non, non, ça fait pas du tout. C'est juste la récolte. Ça aurait été trop beau. Voilà, un peu de confiote. C'est quoi l'hydromel? Diminue la régénération de vie mais augmente l'endurance. Ouais, bof. Ça, non. Voilà, la résistance au poison pour aller au marécage. On a du queue de Nyx. Ah oui! Endurance à 80 aussi, c'est bon. Mais du coup, est-ce qu'on sait crafter de quoi brasser? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait droppé un trophée de drogue élite? Oh la vache, drogue élite, pourquoi? Pour faire une masse. Ça me dit rien. Ça me dit rien, non, j'ai pas. Je le garde dans mes coffres, mais comme ça. C'est gros, pas l'autre. Alors, la confiture. 40 d'endu. On part sur 35 vies avec le circuit, ça c'est bien. Et le miel, en fait, on a le trio qui est pas mal aux recettes là. Ça c'est bon. Je vais garder du bois. Ah ben on va se stuffer gentiment. Voilà, on charge. La vie de viking quand même. Hein. Voilà. Quelque chose. Oh là là. Ah, c'est pas de tout repos, hein. Je vais vous rejoindre, les copains, de toute façon. On va remettre à fond de l'étain à gogo. Qu'est-ce qu'on a de beaucoup? On va en prendre 10 de chaque, allez. On se fait un farm fond d'étain et un vrai cuivre. Mais non, t'es pas encombré. Mais non. Dans la tête. Je sais pas si je bouge, c'est vrai que c'est pas si mal, finalement. De qui, de quoi? Je réfléchis où je vis, là. Non, enfin bon. Bah. Question existentielle et tout, et tout. Donc ça, c'est reparti, c'est bon. On va se refaire un peu de bronze. Voilà. Et on va s'améliorer au niveau 2, la forge, tout de suite après. Alors. J'ai l'emplacement de la reine. Oh, GG. Ah ouais, trop bien ça. C'est dommage, je peux pas vous ping. Mais Cosette le fera quand il l'aura détecté. Ou alors vous venez là où je suis et puis vous chopez le bec vite. Et où? Si tu passes par chez moi, tu prends le portail qui s'appelle Mistax. Oh la vache, t'es loin. Et c'est le niveau de la reine, ça?
De quoi? C'est là qu'est la reine ou... Bah là en tout cas il y en a une. Il y en a partout mais en tout cas là j'en ai une. D'accord. Non, moi je suis pas loin, ça va. Mais c'est pas, là, c'est pas du tout là où je suis. Hein. Ah oui d'accord. Et par rapport à moi c'est... Bah alors tu vois la distance qui est entre toi et moi? Oui. Tu rajoutes deux fois cette distance là. Quasiment et... dans le même alignement de toi et moi. D'accord. Et vous êtes pas du tout dans les Ashlands là, vous êtes sûr hein? Si moi je suis dans les Ashlands. Non, dans l'Ashland. Ah alors, non, papa, papa. Non, stress pas. Non, faut alors, que... Ashland là, pas possible. Ça a bien bougé là déjà l'explo. Bon. On va se faire un petit coffre pour ranger tout ça à côté aussi. Et ouh, Acide, fais pas, elle dit un petit coucou avec un sub, c'est gentil, 7ème mois Acide. Donc 6 mois consécutifs, bonsoir. Je suppose que t'es sur Fable Night. Effectivement. Merci pour ton soutien. Voilà, on fond. Donc là, ça y est, je transforme mon étain, mon cuivre ce soir. Le luxe. Tu me rappelles le nom de ton portail, s'il te plaît, Alex? Allô? Attends. On va tout ramener auprès de la forge. Tac, tac, tac. Ouais. Alex? Accepte. Elle est en train de mourir là, c'est pour ça. Non, je ne meurs pas, j'ai juste coupé mon micro, oui. C'est quel nom le portail que tu dis pour le réveiller? C'est Mystax. Mais de toute façon, là où t'as ton Island, tu vas l'avoir à Tienne. Hein. Alors. Obligatoirement. Oui. On a 33 bronzes. On va faire des clous, ça va faire une nouvelle recette. Ah, si tu pouvais juste pas vider mon coin, ça m'arrangerait. Là, c'est tout. Ça m'a pas débloqué. Je vais pas venir te détendre. Hein. Est-ce que j'ai besoin de faire mon bouclier en cuivre pour l'instant? Non. C'est la hache qui compte, hein, on est d'accord. Hein. Bah si tu veux l'attaquer au corps à corps, le boss, oui, tu peux. Et la masse... Non, je pensais à l'avenir surtout. Ah. La masse, rien que pour les petits donjons avec les fantômes, c'est pas mal. T'es dans le donjon? Là, pas du tout. Axel. Ah oui, oui. Je suis rentré dans le donjon, tu me dis... Oh putain, je suis tombé. On se comprend à demi-mot ce soir. où il est, le Vagivir, et je me casse, et je te laisse... j'aimerais trouver la sortie. Ah bah voilà, t'es là, viens. Je suis là. On descend. Ouais. Non, bah j'ai tout à fait en bas. Je crois que c'est celui-là, non c'est pas celui-là. Ok. Ah merde, il est là. Je le vois. Merci. Si tu peux le ping aux autres. Ouais. Alors, l'arène. Si vous êtes prêts à noter du coup. Enfin, le... Yes. Ah oui, oh là. Ah wow. Ah, vous avez joué au feu, hein. J'étais presque au bout de la map, tu vois, Jean. Merci beaucoup. Mais je pense qu'avec Papal, avec Papal, on va en détecter une autre. Ouais, pareil. Oui, mais il y en a plusieurs sur la map, bien sûr. Mais ouais, mais au moins on a déjà une, c'est... Oui, c'est oui, c'est ça. C'est... Quand on n'a pas la chance de trouver les autres, ben on a déjà celle-là. D'autant plus qu'avec les portails... Oui. Putain, une fois qu'il y a un portail, peu importe où il est. Alors... Ah, t'as du surfing par terre. Ouais, bah prends-les si tu veux, j'en ai pas besoin. Je veux pas. Quoi? Ce dont je veux, c'est où est-ce que je suis pas allé? Allez, merci. Bon, je te laisse farmer tranquille. Merci beaucoup. Et oui, j'aurais à me dire, donc pas la peine de faire une armure en cuivre, si on peut faire une armure en troll, ça vaut le coup, quoi. Oui, absolument. Ouais, c'est, ça, elle marche disons, bien. Ouais. Disons que l'armure en troll upgradée au max, c'est celle que j'ai mis dans le coffre, elle vaut l'armure en cuivre, enfin en bronze. Attends, tu l'as mis en cadeau? Ouais. Bah oui, c'est dans le coffre cadeau.
Le coffre en... D'accord, non mais je viens d'avoir un arrêt cardiaque là, je vous dis je vais peut-être y aller. Web. c'est le gros coffre à l'entrée. Ok, bon allez, ça va aider à la progression, j'y vais. Bah bien. J'y vais. Mais merde, je suis chez toi là, faut que je... Attends, je vais même voir si je peux fabriquer un portail. J'ai le niveau pour faire le portail ou pas? Non, c'est le portail de retour. Celui-là. Ah, il faut que je tue l'aîné. Alors... Tu veux un coup de main pour tuer l'aîné? Je fais un premier essai, après je vous appelle au secours si j'en chie des brouettes. Oui, on va laisser taffer. Quand même, un peu. Attends, si tu m'offres en plus la tenue en troll... Grand fou. Bon, je sais qu'après, vous avez plein de peau partout. J'en ai encore une quarantaine, si vous voulez. Allez, troll, ça va vite. Et dans le coffre de l'aîné, dans le coffre de la maison de l'aîné, il y a 20 pots de troll aussi. Mais enfin... Ouais, il y en a partout, des pots de troll. Je crois que les Nyx ils servent pour de la cuisine. Allez, hop. Pour des potions. Ouais, de la cuisine. Améliorée. Ouais, potions effectivement, oui. Potions. Cuisine. Ah voilà, le nouveau spawn. L'ancien a été démoli? Oh là là. Pas que je sache. Non, pas encore. J'ai pas travaillé depuis le temps. Non, il a pas été démoli parce qu'il y a encore des portails dedans. Ah là, je suis sur mon château à moi, donc. Oui. Les autres. Ah oui! Fabriqué par Amy, merci! Amy Mitchell! Allô? Durabilité 900, armure 10. Ah oui, en effet, bon. Merci. Je vais laisser dans le coffre. Tout ce qu'il y a dans ce coffre, c'est gratuit. Hein. Voilà, je mets mon ancien stuff, hein, du coup. Mais ce que tu veux. Ouais. Oh, t'as mis des cœurs de Surtling. Oh ben oui. Voilà. Je laisse les abeilles, j'en ai déjà. On résiste au reste. Hein. Voilà. Allez, on se met en troll et on dit merci à Bernard. De rien. Merci Bernard. T'avais une émission comme ça, merci Bernard. Et c'est vrai? Oh, il y a longtemps, oui. Il y a au moins 40 ou 50 ans. Ah, c'était avant Couchez-vous les petits, hein, parce que je me souviens pas, moi. T'es pas né, moi. Ouais, moi, je pense pas, là, Bernard. Ouais, moi, j'étais né depuis un petit moment. Ah, bah, écoute, hein. Ça veut dire... déjà majeur. ça veut dire, Bernard, j'ai une question qui me brûle les lèvres, Bernard. Oh, tu as donc connu Monsieur Pivot comme chroniqueur sportif avant de faire l'interview. Oh, la vache. Est-ce que tu as connu Michel Drucker, jeune? Oui. Non, c'est impossible, ça. Est-ce que tu regardes un monsieur qui doit être dans tes âges qui s'appelle Z74 et qui fait du Minecraft, qui fait du Factorio? Tu connais pas non, ce streamer là? Je l'ai regardé, mais pas sur ce Minecraft. Ah, il fait plein de choses. Ouais. La majorité à l'époque c'était 21 ans. Exact. Ah, et donc t'as pas pu rencontrer ta chérie sur les jeux vidéo? Ah. Ça n'existait pas à l'époque. Hein. Pong n'était pas encore là. Non. Ah ouais. Mon premier ordinateur, j'ai dû l'avoir, j'avais une trentaine d'années. C'était quoi, un TO-7 ou... Et c'était un ordinateur qu'ils appelaient portable, mais c'était portatif. Parce qu'il devait faire 10 cm d'épaisseur. Ouais. Ah oui, quand même. Parce qu'à l'époque, c'était vachement lourd. Ah ouais, et tu chargeais tes programmes avec une disquette. Alors c'était la 5 pouces 1 quart, j'ai connu, hein, j'ai programmé dessus. Ouais, et je vais te dire que pour installer, pas télécharger, parce qu'on ne téléchargeait pas à l'époque, pour installer donc une disquette avec, je sais pas, moi, on va dire 15-20 mégas. Ah, c'était même pas en mégas, hein, c'était en kilo-octets encore. Oui, en kilo, tu mettais 3 heures. Ouais, non, mais j'ai des souvenirs de jeux chez une voisine. Des cassettes qu'on mettait sur son je ne sais plus quoi. On attendait un quart d'heure que le jeu charge pour un combat de robot de 2 minutes. Ah mais c'était le temps passé quoi, c'était le début. Oui mais c'est intéressant de voir comment ça évolue, c'est assez fandard. Ça va très Internet, vite. Internet n'existait pas bien sûr, Internet est devenu beaucoup plus tard. Bon en tout cas Bernard, chaleureusement merci pour le cadeau du troll. Hein. T'inquiète. Là j'ai assez fait de vagabondage dans la forêt pour l'instant.
la queue de Nyx, donc c'est bon. Oui, pour faire les antipoisons. Les potions antipoisons. Alors que pour l'instant, il va déjà commencer par les manger. Oui, peut-être, peut-être. Dommage, ça rapporte. Non, je vais pas les manger, je vais résister. T'as vu qu'il y avait de la bouffe dans le coffre aussi? Oui, mais je l'ai pas pris. Peut-être qu'il y aura d'autres gens à venir dans le jeu pour de bon, comme moi. Bon, on en remettra. Okay. C'est pas pour ton premier run. Ah non, j'ai rien fait encore. C'est pas ton premier run, Bernard, sur Valheim, toi non plus, alors, tu connais bien. Oh non, je dois avoir pas loin de 5000 heures de jeu. Pardon. Pouf, c'est ton jeu préféré. Tu dois avoir aussi quelques heures. Ouais. Je dire ça, ah ouais, donc c'est incroyable. 4890 heures, 8. Attends, je vérifie un truc, je suis à 331 heures. Ah ouais. Là, moi, je suis à combien? C'est presque 3 minutes, 300 heures. Je suis qu'à... Oui. Je suis que à... Non. 80 heures. Je suis en train de regarder, mon meilleur jeu, c'est Conan, je suis à 855 heures. 712 heures sur Factorio, 710 heures sur Stellaris, 400 heures sur Crusader Kings 3. Moi, j'ai vu tes vidéos sur Conan. Ah, t'as aimé nos bêtises? Et on n'a pas tout montré, on n'a pas osé. Et t'étais avec un certain Papa le Bator. C'est vrai. Alors j'ai une question dans le chat pour toi, Bernard. Crimson Ring demande si tu as connu le téléphone portable à l'époque en valise. Ah oui, je l'ai eu. Le Radiocom 2000. Radiocom 2000. Ah purée, je me souviens même pas du nom. Ouais. J'avais une valise, la batterie elle pesait 3 tonnes. Oh le Nimbus 2000. Radiocom 2000. Eh ouais. Secours. En fait, t'as toujours été à la pointe. T'étais un geek. Ouais. Hein. Non, parce que je suis commercial et donc on avait ça. Ah, pour le matos, d'accord. Communiquer avec la boîte. Et en fait, on avait le combiné sur le Radiocom 2000. C'était un combiné de téléphones. Les vieux téléphones, quoi, le ouais. Combiné noir. Ouais. Bah, ça pesait combien? Oh, ça devait lourd. Peser, je dirais, entre 15 et 20 kilos. Oh la vache. Ok. Ah, c'est pas un 3310, hein, c'est sûr. Ah non. Bien. Ou alors j'avais moins de muscles et il me semblait que c'était beaucoup plus lourd. Mais... C'était. Il me semblait extrêmement lourd. Ouais, c'était lourd. Ouais. Connu comme ça. Elik ? Oui. Vu que tu m'as pas entendu tout à l'heure. T'as combien d'heures sur Valheim ? 280. Ok. Sur quel jeu ? Valheim. Ah oui, Valheim. Et quand tu as les jeux les plus joués ? Ah, 2670. Comment voir sur Steam? En fait, tu vas dans ta bibliothèque, tu appuies une deuxième fois sur bibliothèque, et là tu règles trier. Moi j'ai mis par heure de jeu. Ah, d'accord. Par date de sortie, le plus récent Manor Lord, bah voilà, on voit tous les derniers que j'ai fait. On m'a fait acheter sur Papa Gaming un jeu qui s'appelle Midnight Ghost Hunt, on n'y a même pas joué. On voit quand même que j'ai quand même streamé sur tous mes jeux. Il y en a un que j'ai pas fait pour Nelson, ça s'appelle Un Arcade Full of Cats. C'est gratuit, je le testerai en live pour me détendre. Moi c'est Elite qui est toujours en premier. Ah ouais, elle est dangereuse. Ah ouais. Bon, après, il y avait pas mal d'heures où j'étais pas derrière l'écran. Les gens, comment est-ce que vous arrivez à passer 10300 heures? C'est pas possible. Si, t'as le temps, t'as la retraite. Je suis désolé. On se connectant. Il y a des gens qui font leur potager, un d'autres qui s'amusent, voilà. Vache, ouais, oui, non mais d'accord. Un des premiers jeux que j'ai fait en ligne, je sais pas si vous avez connu, c'est T4C, la quatrième prophétie. Non, j'en ai entendu parler par contre, c'était un succès phénoménal ça. Ouais, et ben moi j'avais beaucoup aimé. Et puis à l'époque, on payait les communications téléphoniques sur les portables. C'est et du coup, ça me permettait d'être en contact avec mon frère gratuitement, en passant par ce jeu. Trop et c'est pour ça que je me suis mis aux jeux vidéo après. On n'a pas. Ça tient pas grand chose. Bah non, on n'a pas la pioche en bronze, ça n'existe pas. Mais si. Bien sûr que oui. Mais il faut du bronze. Ah, mais il te faut peut-être du bois robuste. Ouais, c'est ça. Ah oui, c'est le bois robuste qu'il faut, effectivement. Sur le pain. Je vais cramer, je vais faire une hache en bronze. Allez. Ouais, t'as pas le choix. Ouais. Bah, pour faire le bois précieux, c'est bien.
Ouais, puis non, mais t'as pas le choix. Au départ, il faut, pour avoir la pioche, tu es obligé de passer par la hache. Ouais. Et la hache, pour la réparer, ça va être galère si t'as pas de forge dans le farm. Ah oui, non, mais c'est vache. Oui. Ils sont gentils, hein. C'est vraiment... On a dit quoi? J'adore. Moi, des fois, tu vois, je m'amuse à faire l'arc en bois noble avant d'avoir débloqué, avant d'avoir tué Aetkir. En faisant tomber les arbres les uns sur les autres et les cassant. Assez, ah oui, assez long, c'est rigolo. Bon, sinon au troll, hein. Ouais. Mais j'ai jamais fait au troll du bois précieux. Mm. Ouais, il m'en a tombé, mais il n'a pas été jusqu'à l'exploser. Alors, contenant 24, la masse améliorée 2, 41, voilà. C'est bon. Ouais, je vais continuer. Qui c'est qui tape encore dehors? C'est terrible, ces gens qui tapent toujours dehors. Attends, je suis en état. Il y a beaucoup de gobelins maintenant, même en prairie. C'est leur façon d'aimer. C'est ça. Ah bah écoute, moi j'ai démarré plus tard parce que j'ai commencé à avoir une console Vectrex quand j'étais jeune, j'adorais. On mettait des calques en plastique sur la console et on jouait des cassettes dedans. Et j'ai démarré ensuite avec des Amstrad. Ah bah moi pareil. Ah, Amstrad. J'étais heureux sur Amstrad. Moi j'étais sur Nintendo. Moi j'ai commencé sur Windows Vista. Ah oui, non, sérieux? T'es une toute jeune. En 2007, 2006. C'était quoi ton premier jeu, Axel, toi? Ah, moi j'ai acheté un ordinateur, j'avais 26 ans, en 2006, oui, juste pour jouer à Dofus. Alors moi, c'est ce que tu voulais. Et j'ai 28 000 heures sur Dofus. Ah ouais, non mais ça rigole pas. Waouh. Mais ça t'as jamais été à l'école, quoi. J'avais 26 ans. 26 ans, donc. Oui. J'avais 26 ans, mon école elle était déjà finie depuis longtemps, hein. Ouais. Mais t'avais bien raison. Dofus, t'as 26 ans. Voilà. C'est... J'avais le temps. Voilà, t'allais pas en boîte, t'allais sur Dofus. C'était aussi bien. Exactement. Bon. C'est bien parce qu'en papotant, je fais mes crafts en plus en même temps, j'adore. Ah, c'est bien. Pas de perte de temps comme ça. Eh ouais. Pas de petit profit. Et toi, Crimson, tu me dis dans le chat, ta première c'était l'Atari suivi de la NES. Ah oui, par contre, avec les copains, moi j'étais à fond Amiga, j'étais moche Atari, c'est vrai en plus. Hein. Je comparais les jeux que j'avais. Et c'est là que j'ai découvert aussi le premier jeu vocal, c'était une révolution, le manoir de Morteveil, je crois que ça s'appelait. T'avais les PNJ, la voix audio, t'avais pas, c'était génial à l'époque, c'était fantastique. Et ma révélation, ça a été Deuteros, The Next Millennium, gestion spatiale. J'avais refait le jeu pour la chaîne, je crois, d'ailleurs. C'est bon, j'ai mes deux armes préférées. J'ai l'épée de chrome et j'ai le fusil à pompe. Oh, le fusil à pompe. Le fusil à pompe. L'arbalète. On va laisser ici le matos. C'est trop bien, l'arbalète, c'est un fusil à pompe. Ouais, mais c'est le temps de chargement est long. Oh, pas les couilles, c'est un fusil à pompe. On va tester. C'est le bois robuste. Bon, 200 flèches en feu, ça suffit pour le boss, non? J'ai le temps de mourir des fois. C'est plutôt un deuxième arc de rechange, je crois qu'il faut, parce que sinon. Non, même pas. Tu l'as upgradé. Je me connais. On aime souffrir, mais il y a des limites. Ah, tiens. Oh, salut. Tu fais mal le soldat. Ah oui, super. Je me promène à poil dans la nuit, sans bouffe. Ouais, bah oui. Pourquoi t'as dit il va sans bouffe, il est bite. Non mais j'ai jamais dit que je réfléchissais. Hein. Comment ça? 19 points de vie. Ah oui, il y a un peu de monde là. Bonsoir. Oh ouais, l'arbalète. Oh, fusil à pompe. T'as déjà ton fusil à pompe, toi? Non, je suis deg. Oui. La le saint fusil à pompe. Oh punaise, y'a rien du squelette aux fesses. Caca. Mais c'est quoi ce biome là? Tiens, y'a un Alex. Ouais. J'ai de la chance, c'était pas loin. Bon attends, on va essayer de gérer 27 points de vie. La brute est repartie? Non, la brute est là. Ouais bon d'accord.
La différence de stuff. De la vie, soldat. Merci. Tu fais quoi par là, Alex, du coup? Tu rentrais chez toi? Non, je viens te regarder galérer. Ah ouais, c'est gentil. Elle est d'une gentillesse, c'est incroyable. Moi, j'aime bien. Ah oui, c'est parfait. Parfait pour aller dans l'arène de... contre l'arène à crier tous ensemble après, ça va être top. Je garde un très bon souvenir de ces bastons finales. Bon, on voulait du bois. J'ai vu un éclair passer. Bon, bah, si ah non une temps, tu fais, t'as la luciole. C'est Navy. Mais oui. Voilà, comme ça vous avez la joie de voir Alex en live, en direct, et pourra se voir en VOD, dire j'y étais. C'est vrai que le bronze c'est quand même top, hein. On va se faire plaisir. Bah oui, c'est la première étape. Mais je sais. Je sais. Je suis en train de décorer ma maison pendant ce temps. Moi, je vais super décorer ta maison, hein, elle est vraiment belle. Mets des saucisses partout. J'adore ça. J'ai entendu couiner. Ah oui. La maison, la saucisse. Ah, tu me sers carrément de garde du corps, Alex. Ouais. Ça va faire l'aîné. Si. Bah, si tu veux, si on y va. Je vide mes poches avant, je prends mes flèches. Regarde, je te laisse. Puisque t'es là après tout, si tu veux vraiment. Je vais abuser. Je te regarde mourir. Ah ouais, non, c'est carrément ça, d'accord. Non, mais tu veux le faire tout seul, moi je respecte ça, y'a pas de soucis, hein, mais je te regarde. Ok. Je mets la pression max. Si tu cries, j'arrive. Ça marche. Oh, il va forcément crier. Pas tout le temps. Pas tout si le temps. Si tu cries mon nom, j'arrive. Oh oui. Arrête, c'est pas bien. Dis pas ça. Ouais. Capi, on va plus le retenir après, c'est trop tard. Ouais. Alors. Ça y est, je suis perturbé. C'est malin. Ah, ouais, ça va. C'est mignon chez toi. Oui, hein, pour un début de pauvre. Ouais, franchement, c'est cool. Hop. Tu veux dire que j'ai un peu de goût quand même? Merci. Oui. Allez, flèche. Ah non, je voulais un arc, je suis con. Arc, il me faut des peaux de cochon. Que j'ai dû ranger près de la forge. Donc on en fait un deuxième par sécurité. Ça me prend toutes mes peaux, super. Ah ouais, mais ça va attendre. On refait d'autres, du coup. Même quand tu fais des clips de fer, là, on a plein des peaux de peau. Ouais. Je regarde juste. C'est pas dramatique. On va ranger tout ça. On se récupère nos flèches. On répare. Tiens, ce serait peut-être bien. Et pour toi, YouTube, je vais mourir. Il y a une offrande à faire pour l'aîné. J'ai oublié, mince. Je suis sûr que je les ai pas. Ah oui, il est. Ça, je dois en avoir s'il y a besoin. J'en ai deux. J'en ai deux, je crois qu'il en faut plus. Hein. Il en faut 4, je crois. 3. Oh, ouais, non, mais peut-être. Mais il en faut 4. Il en faut 4. Il y a 4 piliers, ouais. Non, il en faut 3. Je vais faire 3. À vérifier. Au spawn, je vais. On va pas tarder à le savoir. On va pas tarder à le savoir. Non, mais battez-vous. Il faut 2 trophées de cerf pour faire Edkir. Il faut 3. Il me semble pas. Oui. À moins que t'en aies looté un en tuant des nains, oui. Axel, tu me dis. Non, j'ai regardé, non, j'en ai pas. Ouais. Mais j'en ai à la maison si tu veux. Ah bah, je me rends au spawn. Donc tu vois. J'ai gardé ma hache en silex, oui. De toute façon, des graines, il y en a dans les coffres là-bas. Le coffre cadeau ? Non, le coffre. Chez l'aîné, en fait. Chez l'aîné, ouais. Alors, c'est dans le nouveau spawn. Oh non.
en train de tuer. On va visiter ça, on va regarder un peu. Coffre en sombrassi, il y a quoi? Du bois. Ouh, des pierres. Ouh. Oh, il y a un petit coup de lag là. Ah oui, il y a ce qu'il faut. Alors, est-ce que le portail de l'aîné est mis dans le nouveau donjon? Je ne suis pas sûr qu'il ait le temps, papal. Non, il n'a pas le temps encore. Ok, on va aller dans l'autre. Ah, cette passion de construire, heureusement que vous êtes là. Passion construction. Du coup, je suis perdu. Ouais, c'est là. Alex, je te vois. Le portail est là. C'est parti. Du coup, t'en as que deux des graines. J'en ai quatre, là. Ok. J'en ai trouvé deux. Et oui, Crimson, un tech qui ne crie pas, c'est un tech malade. Au secours. Voilà, je me chauffe la voix. Tu veux te faire un lit ici? Oh, mais en plus, t'es plus intelligente que moi. Il est pas réclamé celui-là, regarde. Merci. T'es sûr que je vais pas y arriver du premier coup, hein? Non, c'est... Quelqu'un? Ah, y'en a qu'on trouvait. Alors, il y a déjà eu des combats, donc. Faire un petit nettoyage avant. Oh, c'est un tout petit celui-là. Il va attaquer par un petit. Il y a un petit lag. Oui. C'est le soir là? C'est non. Soir. Oh, fais suer. Je suis sûr de sang de l'eau. Allez, c'est parti! Adieu! Deuxième boss! L'aîné est réveillé. Ah oui, mais alors lui aussi, là. J'ai un élite dans les pattes. Allez, on y va soft, on attend que l'élite vienne. Il vient pas. On a la petite musique, tranquille. Il m'a l'air bugué. Il y a un petit lag, ouais, j'ai remarqué. Ah oui, il est en retard, il est sur mon ancienne position. Oh bah écoute. On se fait plaisir. Ou alors il tape sur autre chose, je ne sais pas quoi. Il tape sur moi avec ses petites branches. Ah, tu sers de cible, merci. Oh, ça descend pas vite hein, quand t'es tout seul, la vache. Ah oui. Imaginez. Ouais, l'aîné, il a un sac à PV quand même. Ouais, c'est impressionnant. Mais Masdos n'a rien à lui enlever, non? Masdos, vous le faites sur la grotte, sur le crâne, pour le casser en fait. Un qui tank. Non, oui, moi j'aime bien me faire avec une petite construction sur le crâne. Moi je vais faire l'épée. Voilà, elle c'est à la bourrin. Oui. C'est tout ça l'épée. À sniffer le poison. L'arc, l'usure a l'air bonne. Je fais des boules casse dans mon nez. Je sniffe rien du tout. Ah, le combat va durer 2 heures. J'ai envie d'aller le chatouiller. Hein. Tu peux. Dire. Allez, vas-y, parce que c'est trop long. Ça se passe bien. C'est trop long. Tu as mon autorisation. Ah, mais... Tu vas aux flèches de feu? Oui. Ah. Bah oui. Qui sort de là, c'est un Ent quand même. Oui, il brûle bien. Ah, il est pas assez sec à mon goût, mais bon. T'imagines avec ton fusil à pompe là, en son brassier? Pourquoi il sort pas de l'eau, c'est imbécile. Peut-être qu'on recule un peu, on va l'attirer un petit peu. Ah tiens, des racines, disons, ça faisait longtemps. Il est vraiment les pieds dans l'eau? Allez, allez, viens par là. Oh, il est pas mal. Hein. Il a mis vie.
Ah, merci. Oh là là, quelle puissance, Alex. Plus rien ne t'arrête. Heureusement que... Oui, oui, bah, c'est bien, c'est bien. De toute façon, la technique est simple, hein. On se cache à un pilier, hop. Oui, oui. Ça marche bien. C'est juste que c'est vraiment un sac à patates, hein. Après, il y a une autre technique, c'est de lui mettre des feux sous les pieds, mais les... Ah oui. Les tapes et les explosent aussi. Donc, ouais. Il faut souvent en remettre, quoi. Ouais, tu vois, là, comme il suit pas trop... En fait, tu te fermes bien. Ah, il a l'air de vouloir bouger. Combat du siècle! Tout ça pour aller dans les cendres et mourir avec vous. Vous avez vu quand même le nombre de créatures qui sont promises dans le trailer? Ah, il y en a beaucoup, ouais. Bah, c'est tout un nouveau biome, hein. Ils ont bien bossé. Ouais, c'était mon farm préféré pour les sortlings. Ah ouais, mais maintenant, c'est un biome qui a l'air... Enfin, moi, j'y suis pas encore allé, mais... Qui a l'air assez compliqué, hein, de faire des trucs. Et... Prends une popote anti-feu et puis c'est bon quoi. Ah là là, victoire. Je pense pas parce que y en a qui font mal aussi en contondant, tout ça. Oui. Merci Alex. De rien. Le stream avance grâce à toi. Alors qu'est-ce que j'ai? J'ai plus de place, j'ai plein de clés. Ah oui, alors le farm, vous voulez des clés en argent ou pas? Oh non, t'inquiète, on en a. Tu en veux, Alex? Je suis fou. Il y en a dans les coffres aussi. Ah bon, bah attends. Je l'ai ramassé pour le spawn, mais... Oui, mais elle est dans le spawn. Mais ah bah je voilà. Qu'on en a farmé des dizaines. De la place sur toi ou pas? Non. Non, non, je suis vraiment foufoule. Je suis vraiment foufoule. Mais du coup... Hop, petit screen avec toi. Elle bouge, hein. Attends, elle veut pas, hein. Voilà. Merci, ce sera pour la vignette du live. Deuxième boss est fait. Ça, c'est cool. Ah. Bon, bah écoute, portail, je dirais. Et maintenant, bah c'est le marécage, quoi. Oh. Miam. Mmh. Mais je ne suis pas prêt. Tu as fait l'arc en bois noble? Non, justement, je n'ai pas commencé à taper le boulot, mais il va être temps. Ouais, bah fais-le pour le démarrer, hein, ça aide. Eh bah écoute, je vais aller bricoler, moi. Je recherche ma route, je suis plein sud, ouais. T'habites dans le coin ou t'as bougé sur une île, du coup, Alex? Non, moi, j'habite très loin. Ah oui, oui, c'est vrai, j'avais vu tout à l'heure, avec Cali, que j'ai oublié. Ah non, tout à l'heure, j'étais en Islande, rien à voir. On va cramer du cochon, est-ce qu'on a de la viande cuite si on fait ça? Non. Il est debout. De toute façon, je suis full. Une seule clé, ça suffit, c'est pour ouvrir les cryptes dans le marécage, si je me souviens. Oui. Oh là là. Et ouais, je vais pouvoir commencer à couper les bouleaux, c'est chouette. Ouais. Est-ce que j'ai un coffre à flèche? Oui. On va se faire un coffre spécial pour tout ce qui est promenade donjon. Je t'ai jeté du... Enfin, du merdier. Je sais pas, tu l'aurais pas jeté, mais... Tu veux dire que je sers toujours de poubelle, quoi? Non, d'accord. Mais ça va te servir. C'est de la viande et du bois... Ah, ok, merci. Donc j'ai récupéré chez le moche, là, qu'on vient de faire. Ouais. D'ailleurs, j'ai sa tête à lui, maintenant, le moche. Hop. En fait, je suis vraiment en panne de bois, hein. J'ai pas de place. Tout est plein. Ça se remplit vite, hein, les coffres. Oui. Oh, oui. Déjà, de base, c'est compliqué, mais là, on fait deux. On va mettre ça là, pour l'instant. C'est la débordade. Ouais. L'arc de change. Ici. Ah, ici aussi, c'est bon. On va pas aller au marais ce soir, de toute façon. Il
On va laisser la clé là. Et j'ai encore des flèches à ranger. Punaise. Oui, bah il faut un entrepôt, hein. Ça commence à se sentir là. Hop. Oh là là. Ouais, bah je suis bien full, quoi. Alors. Ah oui, tu m'as tout mis là, d'accord. Merci. On a maintenant... Tu m'as mis du bois robuste, merci, j'ai le cultivateur. Ah ouais, les combats avec les soldats fouineurs, c'est chaud quand même. C'est plus simple qu'avec les fouineurs tout court. J'ai fait les clous, alors qu'est-ce qui débloque? Il faut peut-être que je les touche, non? Le Scarl, le petit bateau, c'est ça que je me demande, ce qui peut débloquer ça. On va lui passer par-dessus pour aller le taper dans la queue. Et c'est... les bois aussi, peut-être. Ouais, mais c'est pas les bois. C'est pas ça qui le déclenche. Ah ouais. Ça doit être les clous, c'est les clous, c'est forcément les clous. Ah bah, je les ai. Je les prends, je vérifie nos crafts. Je n'ai que le radeau. Enfin, je vais regarder un petit peu. Par contre, un siège en rondin, c'est quoi? C'est du bois robuste. Ça m'a débloqué le siège en rondin. Ça, c'est cool. En amélioration, j'ai tout fait. On a les pieux acérés, ça, c'est bien. Bon, ah ça ouais. Craft, ça craft. Bah écoute, on va couper. Hop. Ouais, j'ai trouvé qu'un donjon pour l'instant sur ma zone. Il y en a pas beaucoup. Hein. Et il me manque un truc là, pour faire. Moi j'ai eu du bol, j'ai accosté pas du donjon. Au pied des escaliers. Ah ouais. On n'a pas la même chance, hein. Ouais, bah moi, j'ai pas eu cette chance, non. Bon. Fallait me avec moi. Je suis sûr que c'est les boulots qu'il faut couper, j'ai ma réponse, c'est bon. On va pas couper ceux-là, ils sont beaux, ceux-là aussi. Elle est insupportable, qui c'est qui l'a invité? Bah, elle a raison de s'imposer. Il me manque un noyau noir pour faire ma forge noire. Oh, enfin, mon live est une réussite si j'ai le bateau. Cinq autres pour faire... Et voilà, je suis sûr que c'est ça. Herminette, saut de forge, tabouret, le banc, la table, le portail, c'est ça. C'était le ballon. C'était le ballon. Avec Papal, on en a trouvé plein des... merde. Des cœurs. Des noyaux. Ouais, des noyaux. Ouais, ouais. On a trouvé pas mal. Mais bon, comme on était à deux, on a divisé par deux, du coup on en a pas beaucoup. Ouais, moi j'en ai trouvé 4 dans un donjon et depuis plusieurs. Ouais. Et pour faire la forge, il en faut 5. On en a eu 7 par personne, donc 14, ce qui est pas mal. Hein. Vous avez fait combien de donjons? Oh, wow, pas mal. Hein. Sérieux? Dans le mien, j'en ai trouvé 10, quoi. Hein? Ah, on n'a pas la même chatte, hein. Qu'est-ce que je te dis? Mais x2, quoi. Je suis vraiment pas chanceux. Et pour toutes les cryptes que j'ai faites dans le vide, enfin les chambres funéraires. Ouais. Ah ouais, Crimson te disait merci pour le coup de main, Alex. C'est vrai que il faut le rappeler quand même. On aurait assisté à un combat de 2 heures sinon. C'est vrai. Ah ouais. Ah oui. Bon. On va ranger ça. Hop, c'est fermé. Au revoir. Enfin, qu'est-ce qu'il nous faut pour faire le bateau, se promener, se détendre un peu. Peut-être passer la nuit, si on n'est pas fou. Avec le monde déconnecté, ça va être compliqué. Oh, mais c'est pas urgent, de toute façon. Alors, dans les crafts, déjà on va changer
Alors pour faire le petit carve, c'est 10 pots de serre, 30 bois précieux, 20 résines, 80 bronze. 80 clous, c'est pas grand chose. Ouais, quand même. Ça dépend de quel niveau. 4 bronze. Oui, c'est vrai. C'est rien, mais pour lui... C'est le début. Oui, ça va être un peu. C'est beau ce que tu dis. C'est... Tu l'as déjà dit. Ce que j'aime bien, c'est que t'es quand même vachement... modeste. Ah, je connais pas ce mot non plus, du coup j'ai un peu de mal avec. 10 cuivres, 25 bois précieux, je pourrais faire le saut de forge, l'herminette. Punaise. C'est long les déménagements. Oh oui. On a combien là? 8? Je sais pas combien. De quoi? De. De déménagement? Ah, je ne sais pas. Mais là. Trop. Attends. C'est mon. C'est mon deuxième déménagement là. On se plaignait de la montagne, mais alors les Nislands c'est pire que la montagne. Ah, c'est l'enfer. Sur la montagne, une fois que t'as grimpé quoi, c'est bon. Mais là, tu montes, tu descends sans arrêt. Et tu vois que dalle. Et on voit même pas où on va poser les pieds quand on frotte quelque part. Alors. Et je trouve pas de donjon. J'ai fait la zone, je te dis pas comment je l'ai parmi. Hein. Voilà. Tout à l'heure j'ai eu une attaque de cleaner, j'ai dit hop, peut-être qu'il y a un donjon, bah que dalle. Voilà, je coupe des fois quand je tousse. Faudrait que je me soigne ma bronchite quand même, ça serait intelligent. Sans blague. Ouais, j'aime bien. Enfin, avec deux jours fériés. Un peu plus de... Si tu veux un peu plus de fun, tu peux la laisser s'infecter. Ah hein. Ouais, je sais, je sais. Pourtant, je l'ai soigné avec ce qu'il faut. Hein. Avec un strepsil. Un truc sans coca qui commence par oui, c'est qui fait par Sky. C'est pas mal aussi. J'ai essayé. Hein. Mm-hmm. Bon, allez. Sur ces bonnes paroles, j'ai quand même à me coucher. Bah, écoute, mon cher Capi, bonne nuit. Bonne soirée, amusez-vous bien. Salut. Ouais, on va essayer. Ciao. Hop. Nous, l'aventure continue. Il faut du bois précieux. Non mais c'est cher. Hein. Bah c'est précieux. Un bois précieux, ouais, c'est. Là j'en ai fermé pour faire les coffres en fer. Ils sont... Deux. J'ai des brigands de Zwerger, ouais, des mages Zwerger. En fait j'ai une maison de Zwerger. Donc, si je leur pète leur coffre, ils vont pas être contents. Quoi. Ah, non. Donc, je regarde combien ils sont pour voir ma stratégie. Bon, une carte apparemment. Ah, c'est pas terrible ce que j'ai fait là. Ah, 5. Donc, j'essaie de... Voir si je peux pas... Tout ça pour faire comme Kali qui est déménagé, mais je le ferai en off ça. Alors. Oui. On peut améliorer la hache avec 8 bronze. Si j'en essaie, je peux améliorer la masse aussi. Oh, comment on se prépare bien. Ok, là on est bien. Et. J'ai un voisin dans le coin? Ah oui.
Ça va, c'est pas du bois précieux, je fais attention. Il y a quelque chose qui se bagarre dans les champs là. Des squelettes. Ils viendront pas. Alors l'herminette, 3 bronzes, 10 bois précieux. Comment j'ai cramé tout mon cuivre? Non mais ça me dégoûte. Hein. L'herminette c'est pour là. J'arrive à la placer dessus. J'y pensais pas avant, je sais pas si vous le faites, je mets des mini-étagères au-dessus des ateliers et je pose des améliors dessus du coup. Oui, au moins je fais une étage des fois et je pose à l'étage des améliorations. Moi je les mets à l'extérieur. Tout à l'extérieur? Ouais, mais des fois elle les pète. Ça peut être cassé. Ça peut être cassé si vous aimez. Non, il les pète pas parce que j'ai le toit qui va jusqu'au sol et du coup j'ai des espaces vides. Ah oui, d'accord. C'est pas con. Pour les espaces perdus, finalement. Alors, l'arc de bois noble, bois précieux, peau de serre. Ok. On va essayer de faire ça. On va ranger tout ça, on va y couper du bois dans la nuit. Mais on va pas être bête cette fois. On range un petit coup. Non, même pas. Bien. Allez, on va boulotter un peu. Du coup, c'est mieux de faire du boulot dans le monde farm que de cramer tout le boulot ici. Vous faites comment? On s'en fout. C'est vrai? Ouais. Je replanterai des graines. Ouais, c'est ça, c'est ce que je fais aussi. Oh, un trophée de Nyx. Tiens, on va tester la masse. Ah, bah voilà. On va se régaler dans les donjons, là, je vous raconte pas. Attends, on va faire autrement. Voilà. Oh non, putain. Comment il a fait pour grimper là, lui? Oh, tout de suite les gros qui viennent. Hein, ils savaient pas grimper, maintenant ils savent grimper. Qui ça? Ben, les dvergres. Tu sais, dans les mystères, dans les nains. Ben, avant, ils savaient pas grimper, comme tous les mobs de baleines. Ben, maintenant, ils savent grimper. Putain, ça... C'est pas bien, ça? Ben non. T'es plus à l'abri nulle part. Voilà, ça m'arrange pas. La torche à casse. Ma stratégie, elle ne marche plus. Le côté planqué tiré, t'es bien? Eh ben ouais. Mais là, ça marche plus. Bon, ben tant pis, ben, de toute façon, ils sont morts. Voilà. De lag avant le petit matin. Ouais, j'ai vu. Promenons-nous dans les bois tant que le loup y est encore. Oh là là. Il y avait un boulot par là. Entends, il y a un zorg dans le coin. Zorg, pour ceux qui ont connu. C'est Zorglub ou Zorg dans Petit Spirou? Zorglub. Oh, maintenant les gars, on les tente même plus, on rentre dedans. Quoique là, s'il y a son pote, ça le fait pas.
Raté. Excusez-moi, hein, du peu. On est fou, on va ranger. Et le jour se lève. J'ai deux extracteurs, je peux pas les ramasser. Alors on a fait tout ça pour faire le bateau, l'arc noble. On ne perd pas la tête. J'ai du bazar, ça y est, ça va plus. La queue de Nyx. Les pots sont tous dans le coffre de forge, oui. Ah, il faut 10 bois robustes. Heureusement que tu en as offert, tiens. Finalement, c'est cool. Et l'arc de bois noble. Yes. Là, on est à 28 perforants. Ah bah, tout de suite 32. Oh, tu m'étonnes. Vous perdez le tech. C'est énorme. Est-ce qu'on peut améliorer l'arc? Oui. 35. Okay, le fer. Ouais. Après, il manque du bois robuste, ça viendra. Ça, c'est fait. On va ranger ici le bois précieux, on va faire une tournée de charbon. Puis je pense qu'on va se promener, on a encore la soirée pour nous, on est bien. Je saurais quoi faire en off, hein, miner comme un goret, du cuivre, tout ça. Cap, la barcasse, ah oui ça aussi c'est pas mal, avec un cœur de circling. Non, j'ai mis un extracteur de sel. On va protéger nos coffres, vu qu'il peut y avoir du passage maintenant. On va poser une balise. Alors la protection c'est très simple. Et on va mettre ici le petit bonhomme. Elle est inactive et là, c'est activé. Genre même si la balise ne défend pas contre les péons. Ah punaise, c'est 20 bois précieux, un portail. Ben oui. Oh punaise. On dit de moins gris. Sachant que si tu fais un portail, tu fais forcément le retour. Oui. Oui. Hein. J'ai 28. Donc il faut 40 bois précieux. Oui. Et 30. Il me faut 70 bois précieux. Bon, je vais finir dépressif, c'est parti. On est parti farmer le boulot. Tout ça va être effacé après, hein, punaise.
potion. Ça donne du bois précieux la souche? Non. Mais bon, ça nettoie le terrain. Faudrait que je vois, parce qu'il n'y a pas d'arbre géant, ça vaut le coup aussi en bois précieux. Oui. Complètement. En plus, maintenant, il fait des graines, donc tu peux replanter. Oui, c'est vrai. C'est fou comment un jeu, parce que ça peut s'oublier. On va jeter un œil. On est à combien? 257. Pas un gros arbre, hein. Non. Alors, si tu veux des arbres, tu viens vers chez moi. J'ai planté une forêt de bouleau et une forêt de chêne. Ouais, tu t'es mis confort. Mais c'est ça, je vais replanter des graines avant de partir en voyage. Merci de les faire penser. Oh, la Stam, quand même, pas venir. Bon, je vais essayer d'aller récolter ma selle. On devait pas avoir un cheval ou un petit poney des Shetland dans le jeu, non? Ce serait cool. Il y a une nouvelle monture vue dans les terres de fond. Ça n'a pas l'air d'être l'idéal. Ils vont tout casser, attends. Par contre, tu peux monter de l'ours si tu veux. Ouais, mais l'amener partout, c'est un peu compliqué, je pense. Oui. Enfin, ça passe le portail, je crois. Ça passe non, pas, les non, ça passe pas. Là, d'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, mais dans les serveurs ici, Papa Gaming, le passage avec minerai est autorisé. Oui. Voilà. J'ai vu ça en descriptif. Alors du coup, le cultivateur, on n'a pas regardé. C'est 5 bronzes, 5 bois robustes. On peut faire le cultivateur. On va ranger un peu tout ça. Je n'ai plus d'étain. Punaise. C'est incroyable. Le temps que ça te bouffe. Et j'ose grogner parce que j'ai commencé ce matin. Pourquoi je voulais autant Ah oui, c'est ça, il faudra 40 20 yeux, 4 circlines, 50, ouais. On a ce qu'il faut en boulot. On les a.
Et c'est du boulot, hein. Oui. Le contexte, hein, bon jeu de mots. On voudrait juste faire l'herminette. Enfin, l'herminette. Le cultivateur avant de partir. Planter une petite forêt de boulot. Allez, encore un. T'as des graines ? J'ai des graines. Là, je suis bien. J'ai plus de charbon relancé. Attends. Ah, on sait qu'on aura besoin. Pour deux portails, c'est 4 sortlings. On va se faire un four en plus. Alors, je fais la bricole. On a un premier four à charbon qui est là. On va le bouger. On est chargé. Tout de suite. Attends, viens là. Voilà, on va se mettre à fond un charbon. Essayer d'aplanir ça, ça lui plaît pas. Ah mais si, il m'a fait le cultivateur. Il m'a donné un cultivateur, papa, je suis bête. Tout va bien. Monsieur est trop bon. J'ai été vraiment gâté. Hein. Eh ben écoute, on va juste planter. Voilà. Et on double la production de charbon. C'est pas mal tout ça. Les petites graines, on va laisser ça là. On va le plantouiller un peu et puis après, eh ben, on va se promener pour finir la soirée en beauté. Ça serait pas mal. On va mettre le cultivateur ici. Alors, clic droit, c'est comme ça qu'on fait. On peut planter tout ça, impeccable. Voilà. On va nettoyer deux secondes ça. J'ai roulé des chopes de 5 grains. Leur piquer leur chope de bière. Mmh. Pourquoi vous êtes partis si loin, les copains? Il y avait besoin? C'était un endroit particulier? Ouais, parce que les Mislandes, il y en a... Ah non, mais pour les autres, pour leur, leur maison. Oui, voilà. C'est ouais, parce que l'île de Dibu, elle est toute petite et que on est arrivé la première fois, le premier jour, on était 7 ou 8, un truc comme ça. Ouais. Et il valait mieux s'extirper très vite de là pour pas... Okay. Bon, j'ai l'impression que tout le monde est parti côté un peu est et à l'ouest, il n'y a pas grand monde. Ah si, il y a à l'ouest. D'accord. Ouais. Après, il y en a au nord aussi. Il a dit qu'il est très très loin là-haut. Ecto aussi. Speedy, il est un peu partout. Speedy, il est surtout au sud. Et un petit peu au spawner, vers le spawner, dans le film. C'est vrai qu'il n'y a pas de règle de nombre de base, par contre. Non.
Après, il y a des serveurs RP qui vendent des surfaces de terrain en nombre de morceaux de bois, et l'unité de mesure, c'est le poteau de base, quoi. D'accord. Oui, ça m'explique bien. Et c'était vendu en place. On n'a qu'une seule consigne, c'est de ne pas aller au sud. C'est tout. Ouais, voilà, pour pas découvrir la... Ah, c'est où... la chambre, c'est vraiment au sud. Okay, j'avais oublié ça. Ouais. Ça marche, merci. Bon. On va ranger le cultivateur. On va garder la houe. On va se préparer, on va bouger. C'est vraiment une clé qui a ouvert quelque chose là. Et mon SMS, pardon. Désolé. Ah, on s'y croyait. J'ai un souci, je ne me vois plus sur la map. Ah. C'est Mimi, hein, Amy. Ouais. Oui, mais je te vois, moi. Ben oui, mais moi, je ne me vois plus. Mais ça sent la déco-reco. Ouais. Ouais, je crois que c'est le mieux que cher. À tout. Yes. Là, je déco le jeu, je déco pas le décor. Alors, on va commencer par les portails. 20 yeux, 40 bois précieux. Où est-ce que j'ai mis le bois précieux? Me dis pas que je l'ai cramé, hein. Ça m'arrive de temps en temps. Ah non, mais... Non, c'est ton charbon. J'ai eu peur. C'est possible. En plus, ça brûle très bien. Ouais. Hmm. Ah, où est-ce que je vais le couler, ce premier portail, tiens? Comme les tours de l'Ox, ça brûle très bien aussi. Oui. Écoute, hein, on va le mettre là. On va appeler ça comment? Ah, ça y est, je me vois. La tech base. Avec un T majuscule. Ça, c'est ok. Trente précieux, 20 résines, 10 serres. C'est cher, c'est cher. Il y a un peu les démons, les dvingues, les dvergres. Attention. Rien qu'à prononcer... Les 80 clous. Et on va le poser où? À chaque fois tu dis il va mal passer. Et c'est vrai que là, c'est pas terrible. Ok, on a le petit ponton, le navire est bien. Est-ce que je sais encore faire une marche arrière? Ah là là, l'aventure va être bonne. Impec. Alors avec tout ce que j'emmène, je suis déjà à 116. Bon. On va tout réparer. Puis là, on va vraiment chercher un coin où se poser. Je suis pas très chaud de partir de nuit quand même. Il n'y a pas le choix. Bon, ouais, dans pas longtemps, il va fermer. Ouais. Faire une torche, ça pourrait être bien en bateau. Emmener un peu de bois, un peu de résine. On met nos portails. J'ai pris. J'y ai pensé.
De la bouffe. Peut-être en reprendre, ouais. Tu as fait le fermenteur ou pas encore ? Non, parce que je n'ai pas le craft, je ne crois pas. Ah si, je l'ai ! Parce qu'il faudrait que tu te fasses un peu d'hydromel. Il va être temps, ouais, je sais. Parce que si tu vas dans les marais, tu commences par faire des hydromel de poison. Ah ça, à limite, ce sera peut-être après, prochain live. Là, c'est plutôt... Moi, je suis courant, hein. Ouais. Des fois, t'as la vie qui tombe vraiment bas et tu vas te remonter. Ah, puis en plus, il y a les bestioles géantes en bois, c'est vrai, dans les marais. Ouais, les abominations. Aïe. Ouais, j'aurais peut-être une nouvelle maison d'ici le prochain live. De toute façon, c'est vraiment repérer un spot où se poser. Je suppose qu'on fait un peu de bouffe. Ben moi, tu sais, j'avais commencé à faire une petite cabane, enfin, à retaper une cabane qu'il y avait sur la map. Ouais. Juste pour mettre mon lit, et puis table de fabrication et le merlier, quoi, au début. Après, j'ai fait la forêt noire et j'ai pu faire des outils. Alors, j'ai agrandi la petite baraque de fortune que j'avais trouvée. Et puis après, je suis allé faire le fer. Et donc là, j'ai eu le tailleur de pierre et j'ai fait un agrandissement en pierre qui englobait à l'intérieur de laquelle j'avais mon ancienne maison. Tu vois un peu ? Et puis voilà, je suis resté sur place, quoi, du coup. Et je voulais aller explorer pour trouver un autre endroit, et j'ai jamais trouvé d'autre endroit, et je suis resté sur place. Oui, t'es en bonheur. Bah ouais. De toute façon, avec les TP, c'est pas un problème. Il n'y aurait pas de TP, ce serait plus compliqué. Avec les TP, ça va mieux. Allez, on part de nuit, bien sûr, on quitte le spot, et on a posé le premier portail, on n'a pas été idiots. Ouh là là, la navigation, maintenant il faut se remettre dedans. Et vous avez un tech sur l'eau. Ah, c'est chouette, enfin la liberté. Il y a des trucs bizarres là. Quelqu'un est mort ici. Bouliboule. Ah, il reviendra dans le jeu. Ça me rappelle qu'au dernier run, on avait des tombes de Osef partout. Partout, partout. Voilà, voilà. Hop. Je m'amuse, je fais un réglage de map et je fais n'importe quoi. Allez, vire. Ouh, ça va frotter. Non. Alors, il faut faire attention à l'océan profond. J'ai pas le bateau qu'il faut avec les serpents. C'est pas grave. Tu t'approches, tu vas sur la côte et puis... Ouais. Tu le fais sur la côte, comme ça tu récupères aussi les écailles. Est-ce qu'on va vers le marchand ? Non, on va aller par là, là. Salut les vieux. Oh non, il n'y a pas de vieux, il n'y a que des joueurs. Yo Acid. Bah, j'ai entendu parler tout à l'heure de Bernard Pivot en tant que commentateur sportif. Je me suis dit, ça doit être vieux. Je vous dirai pas mon âge. Non, non, faut pas, c'est privé. Il y a des âges qui se disent plus. Tu sais, j'espère être streamer encore à 70 ans, 80 ans, enfin 80, on verra la tête, mais... Je suis pas encore arrivé à 70, mais bon, pas bien. Ah oui. Ouh, ça pique les rochers dans le coin. Ouais, c'est de nuit, tu les vois moins bien. On va réduire un peu la voile, il y a un peu moins de vent. Allez, vas-y, fonce. On n'a pas peur, on est des vikings. Oui. Tu joues pas ça, Acid, du coup, toi, Valheim ? Ah bah, on peut pas tout faire en ce moment. Ouais. C'est vrai. On peut pas être faible et jouer à Valheim. De toute façon, là, j'ai encore... Ouais, allez, on se fait encore trois quarts d'heure de live, le temps de chercher un spot où se poser, et hop, je déménagerai.
Et après, ce sera le mari. Mais comment on le voit, ton live, en fait? J'ai pas entendu, Bernard, excuse-moi. Comment est-ce qu'on peut le voir, ton live? Il faut aller sur Twitch. C'est comme YouTube. Sauf que Twitch, c'est simplement que c'est un peu différent en recherche. T'as ton pseudo, t'es Camon. Mais il faudra que tu... J'aime pas Twitch parce qu'après, ils n'arrivent pas à me voir ce que... Oui, bah non, laisse tomber. De toute façon, les vidéos seront remises sur YouTube. Ouais. Là, pour l'instant, ça va être tous les vendredis. Ça va démarrer sagement. Et je crois qu'il y a plus de slots hein, sur le serveur Valheim, de toute manière. Je sais pas. C'est 10 slots. Faut pas être plus de 10 en permanence, mais après... Ah, c'est en permanence. C'est pas... Mm-hmm. Ok. Ouais, tu peux venir, parce que là, pour l'instant... Ah, on est 7, hein, quand même. Combien? On est 7 en ce moment. 7 sur la main? Ouais. Ah, mais c'est des gobelins qui se promènent, là? Rocher droit devant. Oh là là. Il y a une biche seule en plein milieu de l'océan. Tu t'es pas compté ce cas. Non, non, j'en compte que 7. Hein. Oui, on est que 7, on est d'accord. Alors, Ectoplasme, Speedy, Alex, oui. Ozef. Non, Ozef, tu n'es pas connecté. Non, elle n'est pas cool. Ah oui, d'accord. C'est dans la liste, tu fais échappe et liste des joueurs. Ah ouais. Ou F2 sinon. Ou F2, ouais. Ah ouais, c'est ouais j'avais compté Ozef. Ah ouais, c'est pas mal F2 quand même. Hein. Alors, doucement là. Bref, elle est comme moi, elle peut pas tout faire en même temps. Oui, non, puis j'ai compris que Valheim, elle est pas trop en vie, là, donc... Il faut pas forcer. Alors... Est-ce qu'on va oser traverser l'océan? Si j'ai... C'est le dragon qui donne le pouvoir du souffle. Hein. Du souffle? Oui. Oui, c'est le mot vert. Ouais. Parce que là, y aller sans ça, traverser l'océan... Il y a la tribord. Un peu à bâbord. Je suis juste parti avec ma quille. Il y a quelqu'un qui a construit quelque chose là? Ça a l'air pas mal. Ou c'est un truc de drogueur? Oh non, c'est sophistiqué, c'est un copain qui est là. De ce côté. Au bout à gauche du spawn. Je sais pas, je sais pas. Je sais pas si c'est un truc. Je sais pas qui c'est. Je sais que Speedy il est pas très loin hein, de la hauteur, mais je sais pas si. Oh, il y a de la végétation qui monte. Non, c'est un truc à fouiller ça. On va accoster. Ou pas. On va pas accoster, on se casse. On accélère. Mmh. On se dépêche, il y a deux gobelins. Ah. Ouais, ils sont gentils. Oui. Mmh. En peau de troll, c'est toujours bien, gentil. Ils aiment bien discuter, mais bon, ils se tapent un peu fort sur les épaules, mais ouais, ils sont gentils. Allez, on part en grand-mère. Tu as ton cadeau du fond brassier, de l'or. C'est pas gentil tout ça. Oh, du coup, j'aurais bien vu le voir même ici. J'ai que des côtés de drogue normalement. Ah, j'ai cogné quelque chose en pleine mer. Comme ça. Ouais, parfois ça arrive. Oui, ouais, ouais. Des fois, t'allais au fond. Ça fait peur, moi, j'aime pas ça. Ah, bah, surtout de nuit, parfois de brouillard. On est dans l'océan. On est dans l'océan, on va se faire bouffer par un serpent. Ah bon, je sais même pas. Si tu te fais bouffer par un serpent, on va récupérer ta tombe. C'est une tu prairie, ouais, peut-être. Ah oh. Et en plus, je n'ai plus de vent. Il faut que tu changes de direction et que tu reviennes, que tu fasses des zigzags. En fait. Ouais, ouais, ouais. On va y arriver, on va...
Allez, allez, le vent! Est-ce qu'il va tourner? Comment ça se prononce son nom à lui? Nimstrugro? Eh ben c'est pas gagné hein. Et même IDRK ça se prononce comment? Non, c'est rien du tout, ça se prononce pas. J'ai l'impression qu'il y a des méduses au fond de l'eau. Il s'appelle Drick. Voilà, il s'appelle Drick. Ah ouais, ouais. Je me compte un peu le. Non, mine. Mine, je cherche. Je cherche les endroits. Il y a une terre à gauche. Allez. Il est vraiment bien dans. Va vers le sud, hein, ou quoi? Ah ouais, il va vers le sud. Ah bah, c'est pas sympa. Que... Ouais, il est encore. Il est pas encore. Il est encore loin. Ouais. Vous avez le pouvoir de ban si ça n'obéit pas? Non. Ouais, il y a que papa qui a le pouvoir de ban. Je pense. Bah, il y a Capi et puis il y a. Osef, si elle est par là, sur Discord. Ouais, sinon j'arrêterai le serveur. Hein. Ah oui, si tu peux faire ça, oui. Bon, ça fait partie de coucher. Vous avez gagné en fait ce soir? Ouais, on a fait un total. Bon, alors. Je vais retourner dans les listes. Oui, mais il faut que ça aille par là. C'est quoi ça? Ça ressemble à un truc de gobelin. C'est sûrement un truc de gobelin. Un bout de forêt noir. On va longer par tribord. Comme ça, si on voit un petit donjon. Alors tu risques de rencontrer des nouveaux trucs aussi. Il y a des immenses tours dans les. Ah ouais. Dans les plaines de gobelins. En fait, ce sont des events que donne Ylvir. D'accord. Ah oui, le nouveau marchand. Ouais. La sœur de sur Valdor. Ça fait quoi cet après-midi? Une grande tour là. J'ai fait ça avec Osa cet après-midi. Ah, t'es monté? Ah ouais. T'as pas eu trop de difficultés à grimper jusqu'en haut? Non, on s'est bien marré, ça a pris 2 minutes à monter, mais. Ouais. Et après, t'as pas rencontré le gros berserker gobelin qui a quelqu'un sur ton dos là? Si, et on a récupéré leur tête. Oula, un poil une étoile. Léger parce qu'ils sont costauds. Ah. Hein. Un jour je serai habillé en loup et je les tuerai en masse. Caillou. Oh, mais j'ai l'impression que c'est un marais après. Mince. Eh bien voilà, c'est ce que tu cherchais. Pas tout de suite. Ah, les marais, tu vas prendre de loin en mer parce qu'il y a des grands arbres sans feuilles. Là. C'est ça, ouais. Exactement. Et le biome que je veux est au nord, moi. Mais... Bah, tu vas aller où? Non, pour l'instant, je cherche un spot où avoir de la place. Faire une muraille, me poser. Ah oui, pour construire. Oui, oui, oui. Là, si on finit ça ce soir tranquillement. Pas besoin d'un coup de main hein, pour poser la tranchée, sécuriser le terrain et tout. Oh, je pense que ça m'occupera en off quand je peux pas stream dans la joie. Ça évitera aux gens de pleurer de me regarder. Donc, ça besoin de ressources, aller farmer un peu de pierre, de bois. Ouais. Allez, on vire de bord. On a le vent en poupe. Derrière le bateau. La proue, c'est l'avant ou c'est l'arrière? Je sais plus. C'est l'avant. Ah, donc, quand je dis le vent en poupe, c'est bon, on a dans les fesses. Allez, on y va. Il y a du beau marécage, mais ça attendra. On n'est pas prêt, vous n'y passerez pas.
Et tu sais que l'expression PD comme un fort, ça vient de la marine. Ah bon? Ouais, et ça vient du fort. Du fort en fait. Qui était gonflé par le vent. Ah! Je connaissais pas. Le fort, c'est la voile que tu mets en. Oui, oui, oui. L'expression que je découvre. Le phoque, le perroquet. Le phoque. Ouais, le perroquet, c'est à la une. C'est tout en haut. Ah, il y a quelqu'un qui est arrivé en radeau jusque-là. Ah, bah tu sais, il y a des téméraires. Hein. Ah oui, en partie solo, je l'ai fait aussi. Ah non, mais c'est sympa ici pour se poser. Et d'ailleurs, il y a une tombe à côté du radeau. Ah. Ça, c'est papa, c'est mini papa. Est-ce qu'on va essayer à lire qui c'est? Parce que nous, on voulait se poser là. En plus, on est juste à côté d'un marais. Par contre, ça serait bien que je puisse me faire les établis pour faire la cape de plume. Hein. On éviterait de me casser la bouche à chaque fois que je veux sauter quelque part. Qui est mort là? Ah. Un mini papal, mais oui. Super. Là. Et encore. Oh, c'est un verre. Un vainqueur. On va lui essayer, il y a des piastres, enfin il y a des pierres précieuses. Ah, bonjour toi. J'avoue qu'à côté il y a une très belle île. Ah, il faut que je fasse mon établi. Ah oui, alors est-ce que j'ai du bois pour réparer après? Ouais, j'ai un peu. Oh là. Il y a même des anguilles de marécage, d'accord. Et le temps se change, super. Je vais avoir droit à une tempête. Et une anguille joue avec mon petit bateau. Deux anguilles. Avance. Ah là là, elles sont belles, elles ont plein de choses à me donner, du sang. Oh. La météo est très changeante. Hein. Bon alors, mini-papa les morts sont un petit bout d'île. Et la grande île, s'il n'y est pas, je me pose. Hein. Vas-y. Hein. Parce que la taille est pas mal, ça suffit largement pour faire un potager. De toute façon, si tu vois qu'aux alentours, c'est vide de minerai, tu prends les portails pour aller aux différents boss. Ah oui, oui. Tu te balades un peu et puis c'est réglé. Hein. Oh, mais tout de même... Vu que les minerais passent les portails, en vrai, c'est hyper chill. Hein. C'est pas faux. Mais bon, si Mini Papa l'a visé de vivre là. Ah oui, alors il a plus de corps, il a plus qu'il revienne là. Allez, on va jeter un œil. L'endroit a l'air vraiment sympa. Commencer par faire. Voilà. Et on va jeter un œil s'il n'y a pas des abeilles. Il y a un superbe gros chêne. En fait, c'est assez grand pour être tranquille avec ses potagers. Hein. Elle est vraiment chouette cette île-là. Ah, il s'est passé quelque chose. Ah oui, d'accord, il a tué les abeilles là. Ça
ça m'ennuie pour Mini Papa, il est quand même venu ici. Il y a de la place, hein. Oui, il y a de la place. Ouais, mais... Obligé d'être son voisin direct, où tu vois... Je vais faire le tour. Son balcon, par exemple. Ça pourrait être marrant. Je vais faire le tour de l'île. J'ai le temps. Je veux... C'est vrai qu'en partie solo, une île comme ça, c'est super. Allez, on force un peu, on bouge. Si je vois rien de mieux, je reviendrai là. Par contre, on n'a pas le vent avec nous. J'ai la mouette qui me regarde en partant, me dit « Tech, reste !» Oh, il y a des sacrées vagues. Ça a été retravaillé, j'ai l'impression, la mer. Hein. J'ai pas remarqué. J'ai fait trop attention. C'est possible. Écoute. Bon, après, ça, c'est pas mal aussi. Ils sont complètement malades, les ingres. Ils pètent leur maison pour te débuter. Pas assez de vent, pas assez de vent. Là, c'est pas mal. Ah, c'est vrai que les copains ils vont vivre en prairie avec leur construction de pierre, ils sont à l'abri quoi, mais. En pleine, tu veux dire. En pleine, merci, oui. Mais Goblido. Alors, on a Mazou. Ah, mais il y en a qui sont installés là. Avec un super drakkar. En train de voir un grand château en pierre, les pieds dans l'eau, dans les plaines. Sûrement un papal, oui. C'est un papal. Mais pour l'instant, non, c'est une belle boiserie, bien travaillée avec un beau drakkar. Très bien fait. Ah, du coup, s'il y a déjà un peu de monde là, c'est dommage. Là. Ah, mon cœur. Je vois un speedy qui traverse le portail aussi. Mini Dark, du coup, c'est pas Mini Papal par hasard, MN Dark. Non. MN Dark. Donc je peux aller jusqu'au pôle Nord si je veux, le Nord on a le droit. Oui. Ah c'est cool. Des fois je croise une tortue. Marécage à gauche. Là, on est au milieu de nulle part. Pas de serpent de mer.
virer un peu dans le vent. Ça c'est quoi? C'est des plaines là, d'accord. Donc là c'est pas génial, marécage. Plaine. On va rattraper ici. Punaise. Je dois passer sur un serpent de mer, je ne sais pas. Ça cogne. Ah, c'est quoi là? Après le marais. Le marais, c'est une montagne. Ah, j'étais pas dans les bosses, je suis en train de décrire ce que je vois. Ok. Après, tu parlais des biomes. Oui, je suis dans les biomes, mais... Il y en a qui aiment bien vivre dans la neige et la tourmente avec les drakes. Oui, Capi, il habite en ville. Ah, il est toujours dans l'extrême, Capi. Ok, c'est une forêt noire. Extracteur de pluie. Là, ça serait moche de mourir loin de tout. Pas si t'as posé un portail. Oui. Mais il n'a pas encore posé le retour. Non, c'est ça le truc. On visitera après s'il y a des donjons dans le coin, mais pas partir tout de suite ça avec tout le matos. Même si ça fait envie. Vachement bien, il n'y a pas de tempête. Vous disiez qu'il y avait des nouvelles structures comme des grosses tours en forêt noire par hasard? Non, pas en forêt noire. Les tours en forêt noire, c'est des repères de c'est juste... Oui, c'est d'accord. Ou de dingueries. Voilà, c'est les nains, là. Ok. Alors, si c'est des dingueries, t'as un truc juste à gauche de la porte à côté. Il y a un tonneau. Oui. Et là-dedans, oui. T'as des trucs à prendre. Et à l'intérieur, quand tu ouvres la porte, sous l'escalier à gauche, t'as un coffre. Oui, c'est le même schéma, j'ai déjà vu, ouais. Il y a un peu d'or, des pierres précieuses, des flèches. Pas des trucs à récupérer. Ouais, le forêt noire est immense, là. Ouais. C'est bien la forêt noire. Ah, mais après, c'est sûr que quand t'as fait le tour, tu passes à un biome suivant. Quoi. Ouais. Ah, Mini Darko, dit Joseph, qui veut te jouer avec nous. D'accord. Coucou Joseph sur le chat. Je ne sais pas si je vais trouver la terre promise ce soir.
Allez, on accélère un peu, il n'y a que de la forêt. La petite île tout à l'heure de prairie était vraiment idéale. On n'a pas de côte à tribord, on a un caillou devant. Alors, forêt noire, pleine. Elle est cool. Oh, les vagues deviennent grosses. Il y a un tout petit bout de prairie. Ouh, attention là. À échouer. Ah ouais, je vais avoir un tissu de littérature. Donc il faut que je fasse tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, j'ai l'impression de voir une terre en face, très loin, je devine. Et les prairies, c'est que au cœur, hein. Il n'y a pas après, hein, je pense pas. Ah non, 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 t'en as partout, les prairies. Oui. Tu parles, tu t'en as principalement au cœur après, mais tu peux en avoir un peu partout. Hein. Des D'accord. petits morceaux de prairies un peu partout. Et sans te poser son portail, quoi. Oh, ça, c'est une tour de plaine. Ok, ça pue. Un moustique vient, il n'y a plus de tech. On va manger un peu. Ok. Forêt noire, prairie pleine, purée. Ou alors c'est un énorme rocher avant la prairie. Enfin avant la plaine. Faut que je mémorise les biomes, hein, ça va pas. Et il y a du gobelin, donc c'est confirmé. On a une terre à tribord, on y va. C'est un poisson que j'ai vu, c'est rien d'autre. Hein. Ah, si j'avais une lampe phare halogène. Si on a agrippé un peu le vent, c'est bon. Ah, c'est encore une prairie. Enfin, une autre plaine. Je me comprends, des grands rochers comme ça, c'est pas bon. Finalement, en première base, c'est pas si mal. Hein. Punaise. Alors, qu'est-ce qu'on a là ?
On a de la prairie. S'il faisait jour, ce serait encore mieux. Ah, mais quelqu'un est installé là? C'est un village drogueur, j'ai l'impression. Voilà, on l'a marqué. Ah oui, c'est un village à boudin. Ouais, c'est cool ça. Ah, et on repart après sur de la plaine. Oui, d'accord, c'est ultra court. On peut se faire tuer en prairie ici. Oui, mais j'ai l'impression qu'ils ont vachement amélioré l'IA. Hein. De passer loin de la côte pour pas se faire piquer. Ça va être coton. Oh, le beau village de gobelins. Oh non, il récupère toute la vie. Voilà, attends. Et leur boule de feu qui te suit. Je ne sais pas ça. Je le sens. Vache, alors là, si j'y suis ici, je suis mort. On va s'éloigner un peu. Oh putain, il faut que j'aille à la bourre. C'est pas possible. Ah, c'est encore vraiment la nuit en plus. Je pense qu'on va du dégât en cognant les poissons. Ah, peut-être ça. Et c'est vrai que parfois je me pose la question, parce que en pleine mer tu prends des dégâts. Est-ce que c'est la hauteur des vagues qui fait. Je me suis demandé si c'était pas la hauteur des vagues. Okay, on va virer à bâbord, le vent qui joue avec moi là. J'ai pas fait gaffe. Terre en vue! Non, c'est le ciel. Bon, c'est pas mal, on a fait une belle route ce soir, en tout cas. Est-ce qu'on a quelque chose à tribord? J'ai pas l'impression. D'abord non plus. Ah! Merde! Et merde! Deux étoiles, comment on survit? Oui, oui. Mais je peux pas aller plus vite! Bah c'est bien déjà. Ah. Ah et puis voilà le brouillard. Essaye d'avoir le vent le plus possible dans le dos. Oui, oui, oui. Pas faire ce que je fais là, mais... Par exemple. Non mais je crois qu'il y a la côte qui est pas loin. Ouais, je vois des arbres. Purée de serpents.
Il m'a lâché ? Ah, c'est chaud de trouver un spot sans mourir. Et on arrive dans une plaine. Et on n'est pas mort. Bon, imaginons que je veux arrêter l'un. Le plus simple, c'est quoi ? C'est de démonter le bateau, de le récupérer dans ses poches ? Ouais. C'est une bonne idée. Mais fais ton portail déjà. Ah oui, puis rentrer à la base et laisser le portail sur place et revenir après. Ça. Note-le. Au cas où. Ouais, tu dois trouver un poste pour le portail. Pour la main. Ouais. Si ton portail pète, au moins tu sais où il est pour aller le récupérer. Bref. A voir, à voir. On est proche d'une plaine. Donc on le pète à la hache. Enfin le portail quand même tout de suite au cas où. Là où c'est pas très profond. Oui, je sais. Ah oui, alors du coup, il me faut du bois. Petit détail. Et c'est là qu'on va voir si on a une bonne mémoire. Eh oui. Alors attends, le navire, faut pas qu'il déconne. Oh, me dis pas que c'est un gobelin qui est dans le coin. J'ai cru entendre un gobelin, je prends des risques. Alors, j'ai mes 80 clous, mes 10 oui, mes résidus. Ouais, c'est bon. Ah oui, le serpent, je viens de voir ectoplasme. Quand il attaque, il perd du temps. Je vérifie que j'ai de quoi faire mon bateau que j'ai pas perdu. Ouais. Bon bah écoutez, je continue en off l'exploration. On voit que c'est pas évident. Et puis ma foi, c'était super sympa. Merci à vous de m'avoir regardé. Merci aux copains d'avoir supporté ma voix. Et dans le live et dans YouTube, on vous dit à une prochaine. Bonsoir à tous, c'était Tech. Oui, Kalik. Bonsoir Kalik, bonsoir Bernard. Bonsoir Axel. Hello. Ciao, ciao.